J'ai fait, je lance pas le live et après j'ai mis depuis quand j'ai dit je lance pas le live, mec. J'ai toujours dit que j'allais lancer le live. Alors, j'ai demandé ce que tu fais dans le live, mais fait non. J'ai toujours dit que j'allais lancer le live. Bon, bonjour, bonsoir plutôt, le live. Aujourd'hui, enfin, pour cette soirée, on se retrouve pour un DBD personnalisé avec Kylian, tout d'abord. Avec le Willow. D'accord. Avec Erin, qui ne peut pas parler, donc avec voilà. Et Ebrahim. T'es mort aussi. Il est complètement pas là en fait. Quoi, t'es mort, Brahim? Avec ma glace, je suis en train de crever là. Ah d'accord. Sinon, vous mettez quand prêt? Je cherche mon dernier truc. Ok. Voilà. C'est toi qui as mis la musique dans la tête, hein. Du coup, il explique au live. En gros, en fait, c'est surtout que Kylian, il voulait un perso sur Pokémon Unite, qui était Tortank, du coup. Et moi, j'ai pas Kylian. Imagine, il sort le premier avant tout. Il avait dit, mais non, mais vous sortez Tortank en premier, truc comme ça. Ils avaient dit que vous allez le sortir en premier, truc comme ça. Et là, on fait une compte mercredi prochain. Mercredi carré ou mercredi prochain? C'est mercredi là qui vient le four. Ok, bah mercredi sur le courrier à la place de Tortank. Après, à la limite, l'euphorie, okay, je peux l'ajouter aussi, mais... Moi, j'ai en mode, on appelle ça une 2. Merde, on prendrait quand même l'euphorie en personnage. Je jetterai. Day one. Je prends mes objets. Donc, vous faites pas chier. La seconde, mais vous faites pas chier. À chaque fois que vous dites, tu m'es pris, limite, j'ai envie de passer sur Dragon Ball et de quitter les games à chaque fois, parce qu'il me casse les couettes quand même sur ça. Mais en même temps, c'est pas... C'est super long en fait, c'est pour ça. C'est super long en fait. Il y a des moments où t'es rapide et des moments où t'es super long. Nah, putain, un long. J'ai ce qu'elle dit ta meuf. Meule. Quoi? Pourquoi tu dis pas que c'est Kylian? Ouais, je me mets en sourdine. Je vous laisse une bonne communication. Ouais. On joue fun! Ouais, mais viens communiquer avec ma glace. Ah, y'a pas de fun avec Kylian! Bah, non mais j'ai dit à lui de jouer fun. La partie là qu'on a fait cet après-midi, j'ai testé une fois fun avec Kylian. Jamais. Oui bah écoute, on a déjà fait des games fun avec Kylian. Ah vous avez réussi. C'est bien passé. Oui. Tu... Ah affronter la légion. Il a pris la légion. Ouais. J'étais le seul à avoir réussi à survivre en fait. Il a pris la légion comme ça. Bah normal, tu as demandé de le prendre, non? Bah non, pour le... En fait, il m'a dit, tu veux que je prenne qui, si il voulait faire un live tueur, pour que je regarde comment il joue. Et du coup, bah, on est tous arrivés. Bah... Il a dû le prendre pour la partie. Bon, bah, tant pis. Je n'entends pas, on est d'accord. Et je sais pas comment il... Je connais pas ses compétences. En gros, la Légion, il y a un moment où il peut genre courir et... pas plus vite et il peut sauter à travers les palettes. Moi j'ai deux frappes, t'as une suture, il faut que tu te sutures sinon tu veux crever instantanément tout seul. Et voilà, il y a aussi ça. Tu veux dire son tueur il fait one shot? Non. Il peut pas. Non, alors que la suture met énormément de temps à se terminer. On est dans le coup de la silhouette là. Ouais. Michael Myers. Alors, putain, je sais pas où ils sont les jeunes ici. On appelle ça une énorme doux. Quoi, mais une paquet de. Je le sens pas. Non, c'est la boucle, mais je le sens pas. Ah, pourquoi j'ai parlé dans un sous-sol? Quoi, mais y'a pas un jeune normalement ici? Merde. Bon, bah, rip, hein. Putain, j'ai pas du tout trouvé de jeune là. Ah voilà, là y en a. Et pourquoi il faut que ça s'appelle? Moi. Attention, Ibrahim. Bah descend. Non, bah non, c'était totalement. Totalement Erin. Hein. J'avais prévenu qu'il allait. Ah oui, mais Erin, c'est vrai qu'elle n'entend pas.
Ouais, dans le Discord, mais je t'aime. Kian, t'es Légion. Mais c'est bien, c'est comme Kian a vu que j'étais AFK, il est pas venu me frapper. Oh là là, mais genre il me touche de là. Mais je vois pas d'où vous voudrez. Et alors c'est son couteau, ça c'est de lancer, tu sais. Oui, il a tué trop de shit. Oh merde, mais en fait, il va carrément me voir là. Merde. Il joue à une main là, c'est magnifique. Mais il est seul. Il m'a perdu. Ah là, tu me vois ou pas là? Ouais. Ouais, mais il a fait un énorme lag, mon pote. Il a fait un moonwalk au calme. Non, en fait, comme ça, t'as galère d'un gars qui joue à une seule main. Attends, mais je vois deux personnes. Ah oui, non, mais je suis bon, putain, je suis raccroché. Oh non, mais. Sinon, pourquoi aucun de vous trois font des... fait au moins un gène là? Mais. Putain, merde. Quoi? Ah, t'as trouvé la Légion? Enfin, la Légion est ton. Ah, t'as trouvé toi plutôt. Ouais, il y en a encore un truc qui fait un gène parce que peut-être que moi je suis encore en train de bouffer ma glace, que j'étais tranquille en train de tourner sur moi-même pour faire disparaître le corbeau et que Ken, je qui a trouvé la demi averse de venir mettre un coup. Attends, quoi? Il était là. Hein? Ah, t'as dit. Ah oui, t'as juré, c'est vrai. T'as juré parce que je suis en train de bouffer une glace, putain. Ouais, parce que je me dis. Je me disais, ça avait pas de sens parce que je le voyais à l'autre bout. Je me disais, attends, quoi, il vient te taillader alors qu'il était juste là? Ouais, juste le fils de pute est venu, il m'a mis un coup, il m'a mis une future, fils de pute. Oh. Après, il parle de jouer fun après. Et je vous l'avais dit, je vous l'avais dit de toute façon. Il parle de jouer fun, le moment où je termine ma gâte, que je vois le mec qui me buse. Il est comme toi, moi je retourne Dragon Ball, je vous laisse à 4, 5, enfin même pas à 4, vous démerdez, voilà. Non, c'est bien, non mais Kylian, en fait, c'est parce que tu crois, putain, mais casse. Il va t'éclater, voilà ce qu'il croit. Je suis déjà éclaté. Non, faut que j'aille décrocher. Moi, ouais, j'avoue. J'ai... Bon, info, il m'a laissé en. Voilà. En train de ramper. Mais attends, ou... décroche d'abord Erin. Bah, si je peux. De toute façon, c'est ce que j'allais faire. Ah, bah voilà. On a pas ça, une doux. Merde. Elle va passer deuxième. Putain, elle est passée deuxième phase. Voilà. Je termine de faire ça et je joue juste après. Enfin, je reprends la manette juste après. Alors tu vas dégager tout de suite de là. Bonjour Claudite. T'es comme ça toi. En vrai, tu sais, depuis tout à l'heure, je reste à AFK, j'aurais tellement pu briller. Non, mais non, je refais le gène, il reste sur place, je refais le gène, il reste sur place, ainsi de suite, tu vois. Très con ça. Aïe, fils de. Mec, le corbeau, il disparaît de ma gueule. Je sais pas comment il a fait pour pas me voir, mais ouais. C'est moi où il a trouvé Willow? Non. Je suis dans un casier. Le corbeau, tu peux dégager, s'il te plaît? Ah, il t'a pas trouvé en fait. Non, je suis dans un casier, moi. Essaye de pas trop rester longtemps pour pas. C'est parce que tu crois, Kylian. Là, si je le sors, je me fais arroser, quoi. Le mec est blessé, attends. Endo, attends, j'arrive. Mais bon. Il est où, là? Là, il est en bas. Ah. Merde! Je te défaite! T'es sorti un moment! Je te hais! Mec, t'es sorti un moment! Oui, il est venu! Aïe aïe aïe! Vraiment! Oh, il est en bas! Mais en fait, il était en bas avec moi, je commence à monter et il vient et toi, tu ouvres la porte un moment, il est là! Grosse merde!
Si, Brawl Boy. Avec. Je suis en train de m'amuser avec lui, c'est tout. Je suis en train de m'amuser. Mais ouais, je fais. Oui, t'as suréclaté, frère. Ah ouais, Willow, je. Oh, franchement, moi, je pense que je vais retourner sur Dragon Ball. Il n'est que sa mère. On reconnaît les potes, Willow. Et frère, il y a Willow juste à côté, il préfère faire quoi? Venir m'éclater ma gueule. Pardon, en plus, Willow, il était en train de rentrer dans un casier, donc il aurait pu le grab dans le casier, quoi. Ah, mais tu sais qu'il va pas te laisser mourir, il va t'enculer, en fait, là, tu es coup. Et voilà. Moi, je suis. En fait, je suis pas blessé, moi, en fait, les gens. Vous croyez que je suis blessé, mais. En fait, je suis juste dans mon lit, en fait, d'accord? Genre, j'ai pas le droit de dormir maintenant. Attends, j'arrive. Non, t'es bon, laisse-moi le raise. Non, on va le reste tous les deux, ça va aller plus vite. Irine qui fait un jeûne au calme. En fait, ça se trouve, on va juste embêter Kylian et on va laisser Irine faire ses trucs. Putain, mais Irine, en fait, elle était déjà plus de rêve, je m'en fous. Je suis dans mon lit, les mecs, laisse-moi me reposer, bordel. Le d'accord, le mec s'en bat les couilles. Le mec, il arrive. Là, je suis bloqué, en fait. Allez, dégage, ça veut dire. Le jeu, même pas que Kylian, voilà, dégage. De toute façon, je vais me fichider et je vais aller voir Kylian. Okay. Normalement, là, ça devrait marcher. Et toi, regarde-moi à travers le mur. Ouais, je te vois. Mmh. Et c'est qui un jeune là? Non, mon pote, je vais pas du tout faire ce jeune, je sais pas. Willow, fais-le, le jeune là, on peut pas le faire à plusieurs. Voilà, moi je vais trouver Kylian et je vais l'embêter. Non, moi je me taille en bas, moi je m'en bats les couilles. Oh, oh non, il est tombé sur Irene. Pourquoi ou que j'aille, je tombe toujours sur Kylian. Oh merde. Fais la paix. Mais on fait la. Alors soit il m'a méga loupé. Fils de pute. Ok, à l'aise de lui, KVTE. Ça m'a les couilles, j'abandonne pas Erin. Ça marche pas. Il doit juste la raquette, hein, en fait. Qu'est-ce qu'il me dit là? Ah, et pourquoi mon générateur fait des appels de phare là? Merde. Genre Kylian il va arriver, je vais me faire éclater. Ça, parce que mon putain de générateur fait des appels de phare. Non mais je vous souviens. Mais Rin, viens. Faut qu'on joigne tout le monde là. J'en étais tellement sûr. C'est tout pour. Ok, donc moi j'ai réussi ma QTE et lui comme un gros boulet il réussit à la rater, yes, bravo. Alors, pourquoi moi? Mais regarde ce fils de pute, après il veut que je joue, après. J'attarde. Moi je mets. Willow, ta suture, trou du cul. Mais suis-tu sûr que tu savais? C'est éclaté. Erin, t'as su tuer? Erin! Toujours les gars. Mais putain, les gars. Okay, okay. Vas-y, tu peux prendre un couteau dans le dos et si t'en tiens. Alors, c'est ce qui s'appelle un fail. Mais moi, je suis même pas en train de soigner le Erin, je suis en train de soigner l'arbre, frère. Je suis traite comme une autre, laisse tomber. Sorti au calme de. Ok, d'accord. Voilà. Non, mais nous avons un qui là. Aïe. Ça fait mal, vous savez. Je vais pas être zen, au calme. Vrai, il faut faire Kylian. Attends, j'ai pas vu le gène devant lui. Il est où? On tourne sur le gène. J'en ai vu. Ah!
Mais l'enculé. Ça va. Non. Je t'aime pas. Ok. Ça va, les 4% de chance ils vont réussir, tu vas voir. Merde. Quoi? Mais comment ça se fait qu'il y a des crochets aussi proches? On a tous les 4 missions pétrifiées? Nous devons avoir des crochets hyper éloignés. Moi je suis abusé qu'ils te mettent une suture en plus de... Enfin, une autre suture en plus de faire des dégâts. Mais ta mère? Il est venu, il est venu en tuer. Mais quel fils de... Auto-suture toi, voilà. Tu vas voir, un peu coup, il va venir sur moi, il va me mettre une suture à tous les coups. Merde. Je me téléporte. Il est pas fait d'accord. Faut savoir qu'il vous... Les gars, faut savoir qu'il vous soigne là. Wow. Calmez-vous. Les gars, vous savez quoi? Non, moi. What the... Voilà. C'est lui qu'il faut soigner. C'est lui qu'il faut soigner maintenant, d'accord? Voilà, vous êtes à faire des idées, d'accord? Désolé, Brian, c'est vraiment que t'es plus proche de moi. Hein. T'es pas voulu, sinon. Je t'emmerde. Mais toute la rage de vrai dans ce mot. Il me voit pas, je suis caché. Tu sais quoi, personne ne me soignera, tu sais quoi. Oh, GG Erin, je crois. Ouais, je suis arrivé aussi. Bah, c'est faux, je suis arrivé. C'est complètement donc, faux, je suis arrivé là. Enzo, il s'est heal juste à côté de Brian pour le réanimer. Merde. Yes. Okay. Merde. Soignez-le. Merde. On est là, je suis bloqué là. Les but... Ah. Oh bah d'un coup moi je les ruine. What the... Voilà. Attends mais mec je soigne l'arbre. Non mais... De toute façon je m'en fous, je vais baisser... Tu sais quoi, je vais baisser toutes les palettes de la map, voilà. Non. Et bah vous les mettez tranquille, ok, je baisse toutes les palettes de la map. Soignez-le. J'ai réussi les mecs. J'ai réussi. Voilà, j'ai baissé toutes les palettes de la map du coup. Merde. Ta mère. Tu veux mourir Milo, on est d'accord? Tu veux mourir Milo? Ah. What? Ta mère. Ça va, t'as des dards. Il a pas aimé quoi. Ouais, t'as demandé des dards parce que je veux pas qu'on me soigne. Mais quel fils. Laisse-moi le frapper. Laisse-moi le frapper, bouge. Mais pourquoi? Mais tu t'es vite vent, enculé, ça te l'a remis sur toi. Non. De quoi? Il est littéralement condamné à mort. Je suis pas là. Ah d'accord. Toi, viens, je te ramène ton pote, viens.
Viens. Et pourquoi moi? Comment douiller les gens? What? Mais... Bon allez maintenant vas-y, fin sa game de merde, là j'en ai déjà marre. Mais ta mère. Mets ton pain à toute cette douleur, chers amis. Mais ta grosse mais. Mais. Grosse mais. Eh, hey, y'a ma soeur dans le chat. C'est vraiment Rindo ou Drive et Tueur, juste après il va pas te dire qu'il y a. Non, pas du tout. Rindo, je crois que ma mère a entendu hein, quand t'as dit tu sais quoi. Ma soeur veut côté de ma mère donc. Kylian, je vais te faire niquer hein. Vendette. Willow. J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. Non, mais déjà, on va voir la sécurité au Willow déjà. Je suis tout au fond de la map. Alors, Brahim s'en fout et Rin fait un jeune, voilà. Donc deux, t'as à prendre de l'eau, mais tu vas peut-être prendre. J'avoue. Ouais, c'est comme ça qu'on attaque les amis. Non, meurs pas. Moi je veux juste un petit peu après. Moi je veux juste des palettes à remercier. Vas-y, vas-y. Moi je veux juste remercier des palettes, c'est tout ce que je sais. Il y a une qui a totalement foiré. Non, c'est ça. Au revoir Willow. Rejoins-moi d'entre les morts, Willow. Pourquoi je suis avec Brian? Sérieux, vous pouvez pas être mort avec quelqu'un d'autre? Erin, je te vois, hein. Erin est mort, c'est pas grave. Je suis mort avec la pire personne du monde. Là, je suis mort avec qui? Je suis mort avec le maximum de bruit possible. Alors là, il va se faire éclater. Hey. Je vais te niquer, ouais, t'arrêtes. Mais je me rappelle plus de cette phrase que tu m'as dit tout à l'heure. Allez, c'est fini, Erin. À côté des plats. Et que je me suis sauvé. Oh, c'est comme ça. Non, mais Erin, ceci est une porte condamnée, Erin. Moi, je t'ai réprimé. Ceci est ta tueur, Erin. Ceci est ta plaque à. Non, mais tu m'as dit réanimé, mais d'un autre côté, t'as même pas compris que des coups pour moi alors que c'était trop de live. Erin, c'est pas contre toi, mais tu vas mourir en fait. Erin, tu vas mourir. La game m'a gros coup le côté. On était sûr que. Accroche-les. Il a un truc contre moi, c'est mes deux ou pas? Salut, les gars, j'ai envie de vous proposer un truc. On tente un cache-cache avec un tueur discret. Et la pal- genre par exemple je prends Myers mais sans le miroir rayé et je passerai le lien et on fait je me repère grâce au son. Et où Kylian? Il est à côté de la voiture de flic, va le chercher. Il y a la voiture de flic qui a mis un tête, Kylian, je t'attends. Alors on t'a dit de chercher Brahim, pas la trappe. Bah écoute, elle était à mes pieds, j'en ai. Tu n'es pas un survivant, Kylian, on le sait que tu as passé pour un survivant et tu n'es pas un survivant. Tu t'es trompé de personne. Non, tu me niqueras pas. Tu me niqueras pas, enculé. Tu me niqueras pas. Tu croiras pas la trappe avec ta clé de merde. Croche-le. Prends plaisir à la trappe. Essaye de prendre la trappe si t'es au sol. Essaye de l'ouvrir en étant au sol, la trappe, pour voir. Ça va, attends. Oui. Tu me ramènes le pain, s'il te plaît, merci. Ouais, c'est ce que je vais faire, attends. Tu mets des bas par ailleurs, voilà. Tu veux un petit à vous. Pour voir si ça marche quand t'es au sol. Pourquoi t'es la pire personne qui gagne à chaque fois? Non, mais attends, ça se trouve, il y a même pas. Attends, je vais essayer. Je crois qu'on peut pas. Ah, ok. Je vous laisse. Je sais très bien ce que vous voulez faire, Brahim. Histoire de rentabiliser ta clé, vas-y, tire-toi. De toute façon, moi je prends même pas les clés pour me barrer de toute façon là. C'est vraiment juste un plus. Hein. Ça va. Oh, tire-toi. Je m'en prends. T'as dit que t'as fait quoi il y a deux secondes? Il t'a chibag. Ok, il y a pas compris. S'il te plaît. Qu'est-ce qu'il... Mais pourquoi il te tape la planchette, lui? Mais ouais, il est un peu con. Putain, Kylian, arrête la schizophrénie, là, merde. Désolé, mais en fait, je vois des survivants partout maintenant, c'est pour ça. Ah, d'accord, t'as tué trop de personnes, du coup, tu vois des survivants partout maintenant, t'as envie de tuer encore plus. Et encore plus. T'as l'habitude de voir des survivants avec un masque, quand même. On dirait Groot. Culé. Je suis en train de taper un dodge. Ça, c'était un survivant, par contre. Ok. Alors, je vais m'en rappeler. Ouf.
Donc du coup, je vais vous proposer. On fait un truc qui pourrait être assez drôle. Moi j'ai envie de vous proposer un truc, j'ai envie d'arrêter. Putain, j'ai été sûr. En vrai, tu peux arrêter quand même, et nous on fait notre truc, en vrai, ça pourrait être marrant. En gros, donc un mec se cache avec Myers. Bon, même qui sait. Sauf que les survivants vont le trouver. Là, par contre, je prendrai pas mes oreillers si jamais on fait ça. Mais attends, tu veux faire un cache-cache, mais c'est toi qu'on doit chercher ou c'est nous que tu dois chercher? C'est vous qui me cherchez, c'est vous qui me cherchez. Oui, c'est toi qu'on te cherche. Bah voilà, d'ailleurs. Ouais. Voilà, d'ailleurs. Ça vous va ou pas? Parce que bon, si quelqu'un veut une partie de tueur, c'est quand même dommage de le racheter. Imagine, il a la pire map pour se cacher. Genre les champs. Bah en vrai, tu peux. Bah, mets une map quand même un minimum fermé, genre. Mais en gros, comment on fait pour gagner? En gros, faut juste trouver, genre, comment ça marche en gros. En vrai, si c'était Ghostface, ce serait plus simple parce qu'en gros, en fait, c'est genre, si tu arrives à le voir assez longtemps, bah, du coup, voilà, c'est bon, t'as gagné parce que le gars il se fait avoir, tu vois. Cherche une bonne map, mais attends, j'ai pas une. Apparemment, ça va, ma soeur. En vrai, alors, moi, j'ai envie de te dire, bah, au pire, il y a moins que tu passes le lead ou pas, histoire qu'on trouve une bonne bière. Mais je t'emmerde en fait. Non mais parce que moi je connais à peu près les maps fermées. Mais je connais, mais non, tu veux que je mette laquelle fermée? Bah en vrai, il y a soit le laboratoire là de Hawkins. Allez, mais fermé, j'ai le pensé. Mais là, on fait un cache-cache. En gros, le tueur se cache parce que moi je vais prendre un tueur discret et vous me trouvez le clou. Qu'à la limite, il y a. Non, complexe tueur, c'est un peu mauvais. Il y a le comico. Et comment on fait pour savoir si, si on t'a trouvé ou pas, en fait, en gros, Kylian? Comment ça marche? Je suis partant pour le laboratoire. En fait, du coup, si tu cours plus vite que nous, mec, c'est facile pour toi de t'enfuir par rapport à nous, en fait. Bah non, justement, parce que moi, je sais pas où vous êtes. Je prends pas ni rayé là. Oui, mais genre, si tu nous vois, par exemple, si tu regardes et que tu nous vois, par exemple, en train de te courser, bah forcément, tu nous. Tu peux te barrer rapidement, mec, ça, le truc. Vous devez juste me voir, pas me choper. Vous voulez juste me voir. Du coup, je mets la caille qui est. Tu veux la. Ah, ou l'école maternelle aussi. Soit le comico, soit l'école maternelle, je propose. Alors, l'école maternelle, c'est celle de Springwood, tu te casses. Parce que c'est une map, c'est à moitié ouverte. Le laboratoire, en vrai, ça peut être marrant. Je parlais de l'école maternelle de Badam 3. Le laboratoire. Ah, celle-là, elle peut être bien. Celle-là, elle peut être bien. Ah, au pire, c'est quoi, j'ai une idée. Rayette, la pourriture de rester palier 1. Le laboratoire. Mais non, c'est un truc. Mais comment ça, le laboratoire Attends. Parce qu'il y en a même pas, que... il y en a même pas une c'est qui s'appelle laboratoire. Déjà, c'est pas lui. C'est lequel déjà? En gros, moi, je voudrais qu'on prenne tous la même offrande, l'offrande qui fait que du coup, on est tous séparés de Kylian. Bah, en fait, faut juste pas prendre d'offrande, quoi. Non, mais au pire, moi, je vais prendre une offrande qui fait que vous prenez tous séparés. Normalement, il y a un truc comme ça pour les tueurs. Bah, vas-y, c'est Kylian qui. Bah, moi, je prendrais la même, celui qui fait qu'on est tous ensemble. Bon, du coup, je mets quoi? En vrai, ce serait limite mieux pour chercher parce que bon. Et le centre de traitement, je peux la mettre ou pas? C'est quoi le nom entier? Centre d'entraînement de. Institut en fait, de la mémoire de Berry. Pas le truc là où on est tous ensemble, mais le truc en gros où on est éloigné de toi, tu vois, comme ça. Ou alors le complexe souterrain, je sais pas. Comme vous voulez. Alors, okay. Tous les survivants commencent à partir séparés. Après, j'ai. Y a pas un truc. Parce que bon, un truc pour le tueur qui permet d'éloigner tout le monde, c'est un peu illogique en soi. Qui permet d'éloigner. Alors, il y a l'école primaire Midwich. Tu peux utiliser une offrande pour. Non, mais j'aime bien que tu peux utiliser une offrande pour empêcher les autres offrandes des tueurs grâce à l'aide de l'entité. Un peu con quand même. C'est un peu dommage, oui. Bon, du coup, Kylian, tu veux la quête de map? Soit l'école primaire de la Silent Hill, là. Ouais. Soit le laboratoire, là, d'Hawkins. Moi, j'irai le laboratoire. Ok, laboratoire, ça part. Alors, attendez, parce que dès que vous êtes en train de chercher. Je m'autorise un mini avantage, je prends miroir rayé, mais on va m'en servir une fois pendant 5 secondes, 30 secondes. En gros, miroir rayé, ça marche comment en gros? En gros, il peut activer son stalk et dès qu'il est en stalk, il peut voir les gens à travers les murs à partir d'un rayon de 32 mètres. Exactement. Et tu vas m'en servir pendant 5 secondes, toutes les 30 secondes. Que tous les survivants commencent à partir ensemble, non? Brûler cette offrande nous protège contre la perte d'objets et d'accessoires, non? Fais appel à l'entité pour faire apparaître deux coffres, non? Épaissit fortement la brume noire, non? Mais c'est quoi déjà le truc qui fait qu'on est tous qu'on est éloigné du tueur un maximum là? Mais y a pas d'offrande pour ça. Vous commencez la partie séparée. Et quand quoi? Parce qu'il faut pas prendre d'offrande en fait. Pas prendre d'offrande qui nous réunit. Et là on s'en sépare. Alors que je me rappelais qu'il y avait une offrande normalement pour t'éloigner du tueur normalement. Moi pas vraiment, mais. Et pas ça qu'il y a normalement une offrande qui faisait que tu pouvais t'éloigner du tueur? Sûrement.
Je me rappelle pas, mais on en avait parlé et je t'avais dit, ah ouais, ce serait pas mal. Genre, toi, tu prends un truc qui fait qu'on spawn tous ensemble et moi, je prends un truc qui fait qu'on s'éloigne énormément du tueur. Et comment on spawn tous ensemble loin du tueur. Allô? Ah voilà, c'est bon trouvé. C'est l'inceuil de Vigo. Que vous commencez à partir aussi loin que possible du tueur. L'inceuil du Vigo, c'est en vert? C'est en jaune, de commun. Ah bon. J'ai l'espèce de serviette. Ah, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Et je l'ai mis. Le deuxième, voilà. Après, pas besoin de prendre de perles, les perles, on s'en prend un petit peu en vrai de vrai. Ouais. Bon, Ken. Je fais cette game, après je vais. Après, tu vas quoi? Tuer des gens. Après, tu vas quoi? Ah, tu vas te prendre dur. Ah, tu vas te prendre dur. Ah, non, là, il y a trop de gens qui gueulent là dans la rue, je vais les tuer. Pardon. Ah, d'accord. Tu veux que je t'aide? C'est OK, Yann, le bouton prêt. C'est OK, Yann, le bouton prêt. Ouais, excuse-moi. Ouais, je fais cette game. Après, je vais faire un truc à mon plus. Bon, bah, pendant une dernière quinzaine de secondes, en début de partie, pour regarder au sol. C'est ça, ouais. Quoi? Pourquoi au sol? Bien évidemment. Ah, pour quand même me balader, parce que c'est. Ah, oui, c'est vrai. Une quinzaine de secondes. Bah, une vingtaine de secondes. Pas en gros, j'ai pas compris. Vous restez où vous spawnez. Vous regardez au sol. Ah, pendant quelques secondes. Même pas moyen de spawn. Si on spawn sur un mur. Même pas oh non, y'en a rien, pas eu ce truc. Vous au mur le plus proche. Super, mon. Un des lanceurs de Vigo n'a pas eu le sien. Moi j'ai eu le mien, mais le ND l'a pas eu. Mais t'avais sûr que c'est le tien? Ça se trouve, c'est le mien. Bah, en fait, sur celui à qui c'est, bah, en fait, c'est écrit, tu vois, quand la carte est retournée. Et la mienne est écrite alors que la carte était retournée. Moi, y'avait écrit ou pas? Regardez. Bon, de toute façon, ce que je sais, c'est que si vous êtes dans un endroit, il y a un mur, regardez le mur. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Moi, je sais régler. Vous mettez au premier mur. T'as rien dit, du coup, t'as mis quelle map? Moi, j'ai mis le labo. Moi, j'ai mis le labo. Nice. Le labo. T'as mis le bon labo. Oui, le labo Dawkins, là, je sais pas quoi. Oui, le labo Dawkins, là, je sais pas quoi. Ah, quoi? Si je fais les gènes, il se passe quoi? Laboratoire? C'est parce que je vais te faire le cul violemment. Ah mais je te le dis, je te vois sur un générateur, pour moi ça passe en partie tueur. Hein. Est-ce qu'il y a le droit d'être sur un générateur mais juste pour faire une pour créer une bombe de Léon? De Kennedy, de Léon Kennedy. Ah, juste ouais, 50% du gène, ensuite je crée la petite bombe. Ouais, vas-y. En gros, si je suis un générateur... Oh, c'est parfait, j'ai un mur direct sur moi. En gros, si je suis un générateur, ça fait exactement comme toi. Ouais, je suis sur un mur, okay, les mecs. J'ai un coin de mur, je me mets sur le coin de mur et je regarde, un endroit où je peux pas voir, voilà. J'avoue. Allez, Quentin. Combien de temps? Bien, attends, là, je vais mettre le chronomètre de... Bah, du coup, là, ça fait à peu près, je pense... Bah, le temps que j'ai comme le chronomètre, ça fera 5 secondes, donc je mettrai 10 secondes. Un silence total. C'est bon, on peut foncer si vous voulez, les survivants. Là, t'avais 15 secondes. Et oh, merde, bah, venez, hein. Oh, putain. C'est la première fois où on est content de chercher un tueur. Je vous jure. Les gars, je pense que c'est la première fois que je flippe en tueur. Parce que je viens de voir quelqu'un qui était devant moi. Je vous jure. Et c'est qui comme personnage? Je vous dis pas. Attends, je suis sûr qu'en vrai, même avec Miro Rayé, ça doit être compliqué. Parce que comme vous êtes 4 à vous balader. Au pire, vous savez quoi? Je vous dis. C'est qui vient de faire du bruit? C'est moi. Que... Ouais, ça c'est une idée de merde. Ils font beau les générateurs. Putain, mais c'est quoi ce bruit dégueulasse? Si quelqu'un le trouve, vous le dites pas. Ouais, moi c'est ce que je peux faire en fait. Je crois qu'elle m'a entendu respirer. Non, j'ai entendu des bruits chelous d'électricité. Oh putain! Kylian, j'ai trouvé. Ça m'a fait flipper. T'as pas le droit de dire où il est, Au pire, reste avec lui, non? Au pire, reste avec lui. J'ai ton petit toutou. En fait, avec miroirie, c'est trop. Même sans miroirie, c'est trop compliqué. Venez, je me l'autorise. Non.
Ça sera pas. À la limite, ouais. Il me fait flipper, toi, à côté limite, de moi. Ouais. C'est quoi ce bruit là? Ah, c'est ça, c'est quelqu'un qui est sorti d'un casier. Je suis comme un petit toutou là. Comprends que dalle. Ah, mais t'es quoi, non, vrai de vrai, je vais me mettre dans un casier, je vais rester dans un casier parce que comme j'ai trouvé Ken, si je commence à suivre et que par exemple Ken arrive à s'enfuir à une seconde et que le gars dit qu'il me voit passer derrière, bah il sera que je suis avec Kylian. Et c'est vrai que Kylian sera là quoi. Parce que il y a aussi une question de timing, si Ken arrive à passer à la dernière seconde et que comme du coup je suis moins rapide que Ken, je sais pas. Oh putain, sa mère la grosse fille de pute. Pardon. C'était trop. Endo, oui, j'ai trouvé. C'était beaucoup trop tentant. Endo, viens avec moi au centre du lab. Attends, viens à un endroit, il y a plein de casiers au lab. Mais t'es où, Kylian? Le mec, j'ai vu une seconde et je l'ai perdu. Ah, tu m'as pas trouvé du coup, ça compte pas. Pourquoi t'es gueulé toi là-bas? Qu'est-ce qu'il gueule là? Il est mort, t'es devant personne qui est sorti casier. Tu l'as pas vu, Enzo? Bah, si, je t'ai vu, mais là, je te vois plus. Ah, mais là, je te vois, Enzo, je te vois, j'arrive. Enzo, retourne dans la salle où t'étais pour te soigner. Enzo, je te vois. Enzo, là, ici. C'est toi, Enzo, ça salut, d'accord. Ah putain, mais tu sais que je te voyais, mais. Enzo, là, salut, ça va? Salut, ça va? Ça va? What? Attends, mais. Il est passé au travers. Regarde. Mais comment ça fait qu'il passe au travers? Quand je stalk, tu passes au travers. Merde. Mais. Fais pas de garde dans le vide. Il est con lui. Non. Chut. Alors, on en parle du quatrième perso. Du coup, Erin a perdu, c'est ça? Erin a perdu et en plus, elle fait des gènes. Ça va, Claudette? Mais du coup, on fait quoi si une fois qu'on a trouvé Kylian, du coup, une fois qu'on est trois, on va retrouver Kylian, on attend que le quatrième le trouve ou alors on fait en sorte que le quatrième crève ou comment ça se passe? Sinon, la danse des fesses, ça, c'est terminé ou... J'aime pas. Moi, je suis pour... après, je sais pas si vous êtes... Après, pour l'accord de tout le monde, c'est ça le problème. Et moi, je suis pour le dernier qui trouve pas, du coup, il s'est fait... On fait une partie, mais cette fois-ci, j'ai le droit à m'améliorer que toutes les 10 secondes. Moi j'ai une idée, voyons, on fait genre le dernier qui n'a pas trouvé, il se fait mettre KO, il se fait mettre sur un crochet, et à la fin, bah celui qui s'est pris, bah du coup, au bout de 3 crochets, bah t'as perdu, tu vois, au bout de 3 éliminations. Quoi ou pas à peu près? Des quoi? En gros, en fait, c'est genre, une fois que en fait, tu vois, genre, on est 3 personnes à t'avoir trouvé, si on est 3 personnes à t'avoir trouvé, tu vois. La quatrième, elle se fait mettre KO, elle se fait mettre un crochet. Les autres, ils le libèrent, et donc du coup, au bout de 3 crochets, forcément, t'as perdu. Donc t'as 3 chances de trouver l'autre, tu vois. Et au fur et à mesure, bah du coup, ça va se réduire petit à petit, et à la fin, bah du coup, forcément, il restera plus que 2 personnes, et la dernière personne qui reste a gagné. Allez, venez, on se rajoute une petite règle de con. Si j'arrive à vous faire peur en vous attaquant, enfin, à vous surprendre, vous attaquer sans que vous me voyez. Vous devez vous soigner et vous avez plus le droit de me venir me frapper. De me chercher pendant ce temps. Je pense même pas. Qui est venu prendre ma planche là, ma planche. Ah oui, ça met quoi? Moi, de toute façon, j'ai mes casiers, moi. Côté, regarde, 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 je te fais, regarde. Mais. T'es que. Oui. Ah merde. On va enlever le son, tu vois, oui, donc si vous entendez des hurlements, c'est de ma faute. Sinon, Brahim, ça va. Un peu, ouais. Vu là-bas, là. What? En vrai, même, il te rend dans la canette, tu sors et pas de one-shot, fils de pute. Ah, bâtard. C'est vierge de fer. Je peux pas t'aveugler, là. Attends, quoi, plus jamais invité Willow, je sais pas pourquoi. Non, j'ai vu la tête. Ah genre ça, vraiment c'est une technique ça. Tiens, ça va, moi je suis soigné, tu peux venir me soigner sinon. Ah, le crochet de tout à l'heure à côté de partie 1, hein. À la partie d'avant 1. Oula, oula, non, j'ai rien fait. C'est tentant, hein. Alors, je peux te dire un truc, on en parle, mais toi qui est caché dans un casier alors que j'étais blessé et que t'aurais pu prendre le coup à ma place pour... Attends, on est d'accord que c'est chelou, hein. On est d'accord que techniquement je peux passer, mais j'étais bloqué.
Et le soin il compte pas, vu que de toute façon, Kylian il t'obligeait à me soigner. Si tu me soignais pas, il te mettait un coup. Donc du coup, dans tous les cas, t'es obligé de me soigner. Donc il est très bien, Kylian. Allez, tire-toi, gros, on va commencer. Donc là, en gros, si j'arrive à vous mettre un coup en secret sans que vous me voyez, vous devez vous soigner et jusqu'à ce que je revienne. Non, mais arrêtez de me suivre, vraiment. T'as compris, t'as dit quoi, Kylian? En gros, alors ça, c'est une question que je vous propose la règle. Si j'arrive à vous mettre un coup sans que vous me voyez, j'ai le droit de vous. Vous devez vous soigner pendant que moi je m'éloigne, tu vois. Mais jusqu'à ce que, tant que vous n'êtes pas soigné, vous n'avez pas le droit de me chercher. Ok. Enfin, comment là, je vais mettre un compteur de. Bah, tout le monde reste sur place. Si vous me dans un endroit, je vais mettre un compteur de 15 secondes, ok? Ok, je vais dans un angle. Ok, je vais dans un angle. Tout le monde est dans un endroit, c'est bon? Oui. Oui. Moi, j'ai un casier. C'est bon, je suis dans un angle. Allez, 3, 2, 1, je démarre. Ok, ça marche. Je démarre le chronomètre de 15 secondes. Kian va te cacher pendant ce temps. Alors, où qui sont ces petits cons? Vraiment, du coup, oh, peut-être. Vous me cherchez, mais. Dis comme ça, on dirait que je commençais une partie de tueur normale hein, et que j'ai tous vous tué. Ouais. Vous allez gérer trop ça, mec. Non, bah, c'est bon, le chrono est fini, vous pouvez sortir de vos cachettes. Et vous mais êtes putain, après. Allez. C'est qui s'est mis dans un putain de casier? C'est Erin et moi, justement. On est mis tous les deux dans le casier côte à côte pour commencer, en fait, tu vois. C'est Willow, ça. C'est Willow, ça. Oh, mais bon. Arrêtez avec vos casiers, bordel! Mais c'est Brahi! C'est Brahi! Non, c'est pas moi là, je suis avec Erin, Erin elle peut confirmer que c'est pas moi. Mais alors c'est qui? Totalement! Bah, c'est Willow, à ton avis, c'est qui? C'est pas toi, ni Erin, ni moi. J'ai peur de Willow, frère. De toi, tu vas flipper de quelqu'un d'autre, quoi. T'es gaffe. Enzo? Oui. Oui. Oh, j'ai de la chance. Tu fais pas attention, hein. Ouais, t'as gâché. On dit rien. Désolé, mais la mienne est trop courte. Tu m'as dit, il y a un burger frit pour demain. Putain. Il y a trop de monde que je me casse. Ok. Il y a des gars que personne n'a vu. Bon, en fait, Willow, arrête ton générateur, par contre, s'il te plaît. Ah, je vois mon finir un. T'as trouvé Kian ou pas? Moi oui. Ah! Arrête, je vais finir. Toi, ton générateur. C'est là-bas. Bah écoute, c'est moi qui vais finir. Je vais te soigner si tu veux. Attends, non. En vrai, de vrai, attends, c'est quoi? On va le soigner. Je t'ai trouvé. Il y a un des endroits où on doit soigner. Mec, t'es KO, ça compte pas. Il est là-bas, il est dans le coin là-bas. Oh l'enculé. Je fuis, frère! Je veux pas trancher, tu casses vraiment fort les couilles, hein. Qui? Oui, c'est faux. Toujours, j'ai cru que j'avais pas. Toujours, je me suis retourné, hein. T'as un frisson, Enzo, on est d'accord? Oui! Oui! Bon, bah, demi-tour! Dégage! Enzo, je pourrais pas le surprendre, déjà, ça c'est sûr, les gars! Je vais deviner, t'es en train de stalker Enzo, c'est ça? Bah, justement, j'ai stalké un peu et là, je vois qu'il reste immobile derrière une planète! Qu'est-ce qu'ils sont branlés là? À la danse des canards. En fait, en gros, je t'explique, on a deux petits gars qui sont en train de me tuer depuis tout à l'heure. D'accord. Bon, je vous bodyblock, moi, qu'est-ce qu'il y a maintenant? À vrai dire, j'ai stalké pendant deux secondes et je vous ai vu en ligne et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il prend, c'est con. Pouf, je t'ai poussé, Claude. On est d'accord, voilà, mais mec, il vient de pique-mine avec moi. Vous savez quoi, je vais rajouter une règle. Quand je stalk, je dois dire où je vois. Frère. Les gars, c'est quoi, quand je stalk, je dois dire qui je vois? Là, je vois trois personnes, il y a Enzo, je crois, Brahim et. Non, moi je suis pas avec eux, je te le dis moi. Non, je suis pas avec eux. Là, c'est Erin, Willow et Enzo. Et hop là. Là, je vois quelqu'un qui est en train de spammer un casier. Là, je vois trois mecs en ligne, donc je vois tous les quatre. Mais en fait, j'ai pas compris pourquoi les deux autres là, ils sont en train de me suivre. Ouais. En fait, si je vois un mec, je vois tout le monde en fait. C'est ça le truc. Ok, je vois. Donc, il y a quelqu'un.
qui est actuellement en train de monter les escaliers, du coup, bien que je le vois. Ta gueule, ta gueule. Ta gueule. Oh, il a crié énorme. Il a crié énorme. Putain, mais je vous jure. Mais toi, Pikmin, il s'est trouvé donc il t'a trouvé. En vrai, c'est pas facile, on dirait pas comme ça, mais même envoyer un mec au travers des murs, c'est pas facile. Merci, Brahim. Moi. Et après, t'as pas me soigner après. Comment ça ? Moi qui le trouve, après, t'as pas me soigner. La palette, là, espèce de gros naze, va. Je vous laisse aller par. Je vous laisse partir. Je vous laisse aller parler à un mur pendant 15 secondes. Attends, bouge, bouge. Du coup, on fait quoi en gros là? On continue comme ça jusqu'à la fin? Viens, viens, regarde ça là. De quoi ça? Papa, finis ce que t'es en train de faire. Ouais, mais je suis mis de la casier. Oh putain, le salaud. Bah, t'es quoi? Voilà. C'est la body block. Et regarde, c'est ça mon angle là, je vois où j'y vais. Ouais, non, mais j'ai vu, tout à l'heure j'étais en train de te truquer, je l'avais vu. Erin. Qu'est-ce que tu fais là? Oh là. Lian, tu veux venir te frapper un mec en train de faire chier dans les casiers là? C'est à côté du générateur qui vient de me frapper. Ah merde, pas du tout. Merci. Maintenant tu peux te barrer, je vais lancer le chronomètre de 15 secondes, tout le monde se met dans un endroit. Ok, Erin, il faut que tu... Attends, Erin, regarde bien le mur parce que là il va se cacher qui vient. C'est bon, on est tous prêts? Toi arrête de ouvrir mon casier et va dans ton casier si tu vois la limite. Je vais rentrer dans ton casier. Bon, I'm ready. Allez, go. Super, on me fait bouddhi. Mais je suis bloqué. Kylian, viens me libérer. Non, c'est bon en fait. Non, c'est bon en fait. Qu'est-ce que tu branles? Ta gueule. 15 secondes. Va gueule. Merde. Alors, c'était moi qui voulais y aller en premier. Ah, il y a un corbeau sur la tête. Yann, il y a un animal de compagnie avec moi. Tu veux le voir? Non, non, c'est bon, je peux me passer. Je crois que j'aurais pas dû prendre Dirk de fer, hein. Vraiment, les bruits de casier, c'est trop chiant. Merde. Bah, t'es bêtise. Putain, mais. Merde. Casse les couilles. Casse les couilles. Non mais le Pikmin il va se calmer. Lulo c'est l'âge 2 quoi en fait. Tu pourrais jouer à un jeu comme ça avec des personnes que, comme eux là. En fait dès que tu trouves quelqu'un, bah voilà. À la limite faudrait que les deux autres ils le trouvent et toi tu restes juste sur place. C'est con quoi. Je suis pas sûr moi. Eh salut. Trouvez Kylian, non, je rigole. Allez, salut. Allez, salut. Ouais, il y a une truc, tu regardes d'abord. C'est vrai, il faut. Soigne-moi, merde. Moi, donc j'ai vraiment cru. Allez, salut. Soigne-moi. Parce que, alors, attendez. Là, actuellement, je vois. Erin. Donc, demi-tour. Voilà. Après, je partirai. Mais quoi? J'étais sur le perfect. Tu vois Erin, là? Je la vois plus, là. Là, je vois personne, à moins qu'il soit le deuxième étage. Non plus, je vois personne actuellement autour de moi. Moi, je suis dans un coin. Avec Enzo. Mais ouais. Voilà. Alors, on danse. Tu vois qui là, Kylian, hein? Le néant. Ah, attendez, c'est qui là-bas là? C'est Enzo. Il a frisson, donc il sait que je le regarde. Oui, oui. Oui, oui. Je te vois. Ah, je le vois plus. T'as un gros mytho? Ah. Enzo, t'as vraiment baissé tous les trucs de la carte là, t'avais des palettes. Non mais là. À vrai dire, je savais pas vraiment où aller. Oh, je l'ai blessé, il a pouvoir me chercher! Fils de. Fils de. Non, c'est bon, Enzo m'a trouvé du coup. Non, je le suis, je crois. C'est bon, oh, je reste caché. Tous, du coup. Personne m'a vu. Personne m'a vu. Du coup, je suis Brahim. Oh, je t'ai vu là, Kylian. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Moi, je vous laisse violer un mur pendant 15 secondes. En fait, quand vous êtes 4 ans, on va faire 15 secondes. On a rien avec Enzo, du coup, c'est parti. Oh ta gueule. C'est beaucoup plus cool.
Moi, je dis, on reste tous au même endroit et on part en même temps, quoi, voilà. Faut aller dans le casier, parce que là, ça va bientôt partir, là. C'est bon, on peut partir. Allez, c'est parti, mon kéké. Attends, ok. Mon kiki. Je vois Brahim. Brahim, t'as une couronne, on est d'accord? Yes, Enzo aussi, il a une couronne. Ouais, je sais, mais Enzo, lui, là, je reconnais son personnage. Bah, je vois Enzo, Brahim, ça, je crois que c'est Willow. Le seul que je vois pas pour l'instant, c'est Erin. Ouais. En plus, quand tu dis que tu nous vois vraiment, ou est-ce que tu nous vois à partir d'un truc? Grâce à... Laurent Vrier. Ouais. Salut. What? Putain de merde! What? Vous voyez, alors je tombe du trou qui est au deuxième étage et là je vois trois personnes à côté. heureusement personne m'a vu. Bah si, moi je t'ai vu! Bon bah allez, Yannick a compagnie sur le quinquin, yes! What? Ah! Donc là, Eren doit se soigner jusqu'à ce que tu. T'arrêtes et tu attends que quelqu'un vienne te soigner. Alors, par contre, je vois tout le monde débarquer, donc tu vas aller à la map. Débarquement, mon gars! Débarquement en Normandie! Ça va, Eren, t'as le Samu qui est en train d'arriver là, je peux même courir. Allez, on doit la soigner plus vite que ça, allez! En vrai, c'est dommage que je sois seul à avoir mon arrière, parce qu'on pourrait le faire souvent ce jeu, ça serait marrant. C'est vraiment, moi j'aime bien, hein, c'est marrant. Enzo, elle va faire les tango merguez, toi-même tu sais. Non, pas là. Voilà. Là, actuellement, je vois Willow. Allez, tu vas laisser, je vais le voir. Ah non, je le vois plus. Ah, tu me dis, j'ai trouvé quelque chose. T'as rien trouvé? Ok. Arrête. Oh. Frisson activé. Ils sont en train de tout poser, ils sont en train de poser toutes les palettes, les mecs. Frisson activé. Je vois des palettes posées partout. Bah c'est moi qui les pose juste près de passer, tu vois, pour le kiff. Bah histoire, en vrai ça me bloque, donc c'est pas si mal, hein. Tu veux bien les péter pour que ça soit ce que t'es passé? Non. Bah j'en ai pété une. Bah je sais quoi, allez. On va se séparer, allez, au revoir. Moi j'étais en mode on continue encore une fois, on me sépare en plein milieu, machin, Michel, non, lui. Je sais pas qui c'est, le mec au deuxième étage, je vois Enzo. Blaze, allez, mec, mon truc, il est derrière le truc. Ouais, mais là t'es blessé, donc ça veut dire que t'as plus le droit de bouger et on doit te soigner. Et t'as plus le droit de dire quoi que ce soit sur son emplacement. Tant qu'on t'a pas sauvé, on doit se réveiller vers toi et te soigner. Bah en vrai, c'est pour ça que vous devriez prendre tous prophylaxie, comme ça au moins ce serait plus simple, tu vois. Ouais, mais moi j'étais pas au courant, donc j'ai pas pris moi. Ouais, je sais, mais bon. Moi j'ai pris une percutone ou c'est aller, je balance des grenades. Re-soigne-toi. Je me suis déjà soigné. Bah, tu le refais. Ok, yes. Mais en vrai, si ça te soigne, ça sert à rien en vrai que j'aille le soigner moi. Si, soigne-moi. Il faut savoir, si toi te soigne ou je te soigne. Je veux que tu branles dans la cave, putain. Ta gueule. Perdu ton soin, merci. Que je branle dans la cave, et oh putain. Regarde ton frisson de dalle. Va dans le trou. Dans le trou, va là-bas. Qu'est-ce qu'il branle? Attends, tu vas taper. Non mais le pire c'est que c'est un fils de pute parce que je l'ai vu de base. Mais en même temps, il était venu pour soigner Enzo de base. C'est pas pour le voir lui. Tu m'as vu pendant que tu tombais, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah dommage. Bah en vrai, c'était juste, c'était vraiment pour la. En vrai, Drake, comme c'était juste pour soigner NG et c'était encore à côté, ça compte pas, voilà. Il y a juste Shiro là qui est. C'est juste pour soigner NG et t'es encore à côté à ce moment-là. En même temps, tout à l'heure, on soignait déjà. Et maintenant, ça compte, maintenant on arrive. Débarquement. Ah là, oui, par contre, j'ai pas intérêt à me faire trouver. Débarquement, moi. Hein? Y'en a une qui n'a pas encore abaissé. Voilà, allez, dégagez les Pikmin.
Qu'est-ce que t'as fait? J'ai baissé une palette entre moi et les deux autres là. GG. J'en ai marre, il fait Pikmin partout. Ah mais je vous vois vous suivre depuis tout à l'heure hein. Brahim vraiment. Brahim, retire ta couronne, les gens te font trop confiance à cause de ça. Enzo, ça va? Pas trop de frissons? Non, pas du tout. Enzo il est en train de flipper, je suis sûr de énorme. À chaque fois que je regarde Enzo, il a envie de s'éloigner de tous les endroits où je pourrais le surprendre. On peut dire ça. Regardez 2 secondes, il s'est accroupi. Tu vas rester derrière. Oh merde, y'a 3 mecs qui arrivent par là, je crois que je vais me barrer. Hein. Oh merde. Je vous vois tous venir, les gars. Attention, y'a Enzo 3 devant vous. Enzo, tu l'as trouvé? Non. C'est juste que j'ai un frisson. Non, mais en fait, Enzo il a un gros avantage parce qu'il a frisson, du coup, je peux pas vraiment le surprendre. En tout cas, c'est compliqué. Enfin, j'ai aussi ça va, moi aussi, moi j'ai empathie, c'est encore mieux. Ah ouais, donc, c'est vrai que c'est bien. Si je reste là, il se passe quoi? Ah d'accord. Le bon moment de. Il y a des pigmin. Oh les cadeaux, je te les donne tous les pigmin. Vous savez, c'est Enzo qui le trouve tout le temps, c'est pas moi, allez le suivre lui. Bande de Strouden. Qu'est-ce qu'il y a? Enzo, tu as trouvé? What? Ouais, mais derrière! Bande de grosses merdes! Je t'emmerde! Bon, bah, je suis un peu niqué quand même! Je suis un peu niqué! Pourquoi je peux aller dans lui? Parce qu'en fait, pendant l'animation où je suis mon couteau, tu peux partir de. Tu peux me passer dedans! Merde! Merde! Bon, du coup, on compte comme fois j'ai perdu ou pas là? Parce que tout le monde est débarqué d'un coup! Attends! Bah, là, on l'a juste un petit peu trouvé, mais c'est pas grave! Ok, bon, on va bien jouer! T'as frappé Willow au moment où il l'a trouvé, donc voilà quoi! Et mettez-vous bien entouré, genre. Mais pourtant, Rigi, je peux pas vraiment tenter des trucs indiscrets sauf sur Enzo. D'accord. Allez, je relance le timer de 15 secondes, t'es parti. Ouais, mais arrêtez que vous putain. C'est clodé. Alors, ça c'est bon. J'en ai marre d'avoir un bruit à chaque fois. Ouais. T'as quelqu'un? Dégage. Dégage. Quoi? On m'a le trouvé, ce murder! Ah, c'est à nous là? Ouais, c'est ça. C'est moi, Erin et FK. Ma soeur va arrêter là. Ah, là-dedans? Ah, y'a ça. On peut continuer sur cette lancée. Non, y'en a plus, y'a plus de jeu. Pourquoi elle arrête? Parce que mon père va récupérer sa manette. Ok. Parce que quoi? Mon père va récupérer sa manette. Enzo, reste bien accroupi et prends ton temps. Yann, tu le vois ou pas? Ou à droite. Cherche bien. Il va à gauche ou à droite? Alors toi, c'est réglé le problème. Je t'ai trouvé. Mito! Si, je t'ai trouvé. T'as regardé depuis derrière la porte, c'est ça, enculé? Bah en fait, non, j'ai. Je t'ai vu là-bas dans l'angle. Ouais. Oh, d'accord. Laisse passer, s'il te plaît. Super, merci d'approfondir l'appeler, Willow. Bien, m'a dit c'est bon, tu nous achèves tous et puis voilà quoi, c'est bon, on relance une game, là tu prends Miro enrayé, nous on prend quand il est là, bah du coup on prend ce que je veux, mais en gros. Non, soignez-moi d'abord, juste soignez-moi d'abord. Attendez, au pire, ok, tu veux cadeau. Et en gros, à chaque fois que le dernier. Ah voilà, ok, d'accord. En gros, en fait, le truc, c'est à chaque fois que le dernier. En fait, tu vois, genre, nous, on va te chercher. Et s'il y a un Pikmin, bah, du coup, il est considéré comme dernier. Voilà, c'est bon. Je le dis. En tout cas, il n'y a pas de Pikmin, chacun charme de son côté. Du coup, on va prendre quoi comme compétence? Prophylaxie, c'est ça? Voilà, prophylaxie. Voilà. On prend pas de compétences style empathie ou truc comme ça, parce que du coup ça me permet de trouver facilement à l'aide des autres, du coup, et voilà quoi. Ouais, d'accord que. La frisson, j'ai le droit parce que c'est que pour moi. Au pire, vous savez quoi? Vous enlevez tous vos pertes, voilà, et on prend juste l'autre là, prophylaxie, et on prend l'objet si on veut, voilà. Ok. L'objet, c'est juste pour le kill, en gros, si tu prends une lampe d'or, ou alors tu prends une prise de sang, tout comme ça. Bah, en vrai, j'ai envie de vous dire, prenez que prophylaxie. Si vous prenez un kill de sang, par contre, je vous stun pendant 2 secondes en vous frappant avec une merde. Moi, je kill juste. En gros, ce que je veux. En gros, ce qu'on va faire, c'est que, en gros, chaque fois, c'est la dernière personne qui trouve. La dernière personne qui trouve, il se fait mettre KO, il se fait accrocher sur un crochet, voilà. Il se fait mettre sur un crochet.
Je quitte vite fait. Je vais me faire un truc à manger et je reviens. Ok. Attendez, je reviens deux secondes aussi. Attends, je prends vite fait prophylaxie. Oh, donc ça, il est où la paire? Quelle est là? Je l'enlève. Il est où la paire? Quelle est là? Je l'enlève. Mais là, je l'enlève. Celle-là, je l'enlève. Ah, voilà, c'est bon, j'ai trouvé prophylaxie. Maintenant, juste celle-là, ici, je l'enlève. T'as bien pris le front de serviette, Enzo, ouais. Pour spawn loin de Kylian. Ouais, voilà. La serviette, ouais. Allez, on peut mettre prêt, hein, bien sûr. Ouais, voilà. Et bon, on est prêt. Et en gros, Kylian, entre moi et entre Enzo et moi, en gros, le dernier qui te trouve, du coup, il se fait mettre sur un crochet une fois, puis deux fois, puis trois fois, tu vois. Pas trois fois, mais genre, en gros, tu mets une fois au crochet, et l'autre le décroche, ensuite, du coup, il le soigne, et toi, pendant ce temps, tu vas te retacher, tu vois. Après, est-ce qu'il est là pour écouter? En vrai, on pourrait même le faire avec Ghostface, avec tout perso, Enzo, si tu veux. Du coup, lui, carrément, il a pas de rayon de terreur, ou comme ça, enfin, de lumière rouge devant lui, et contact qui permet de le voir facilement. En plus, lui, il peut s'accroupir, donc c'est aussi discret, tu vois. Et en plus avec Ghostface, on peut ajouter la règle de si on le voit, du coup, faut qu'on reste le regarder, tu vois. Et s'il se transforme en blanc, du coup, on l'a trouvé, tu vois. Ouais, ça peut être pas mal, ouais. Bah, après, on fait. Kylian, tu fous quoi, bordel de cul? Mais Kylian, il est mort, je crois. Mais aussi, mais s'il meurt, comment tu veux qu'on joue, le mec? Quoi, il est quoi? S'il meurt, comment tu veux qu'on joue? Bah, on peut pas en fait. C'est ça le problème. Kylian. T'es mort. Kylian. T'es mort. Voilà, c'est ça. Et s'il y a un Pikmin, par contre, all good, voilà. Voilà, on est deux. En gros, je considérais comme étant dernier. Celui qui suit, il compte pas. Celui qui suit, il compte pas pour me trouver, c'est seulement celui qui est à l'avant, on va dire. Bah après, là, on est que deux, et moi, je suis pas un Pikmin, et pas non plus. Non, on peut juste tout à l'heure, on a utilisé la technique Apache Tango Merguez, c'est-à-dire en gros, on faut c'est tous les deux un à gauche et à droite, puis ensuite on se rejoigne au milieu, puis ensuite on repart à gauche et à droite. Tu te rappelles ou pas, Edo? Ouais. Vous avez vu ou pas le clip que j'ai. De Phoenix dans le salon d'Albaï Delec? Ah, mais quoi, t'as dit? J'avais mis un clip, voilà, j'avais mis un clip hier à 14h. J'ai mis un clip sur Dead by Daylight. J'irai voir plus tard. Le clip de merde là. Ah ouais. Si je tombe sur un Léon là depuis une hauteur avec Myers en miroir rayé. Oh. Oula. Oula. C'est quoi cette map? Tu t'es
t'es trompé. Mais non, mais merde, mais j'ai pas changé. Mais non, mais merde, j'ai pas changé. Moi j'ai pris la serviette, donc voilà. What? What? Alors j'ai pris aussi la serviette. Allez, on attend pendant 15 secondes. Tant pis. Attends, je me mets là. C'est des merdes qu'il y a là. Tant pis, vas-y, c'est pas grave. Mais je comprends, pourtant j'ai même pas changé la map. On attend Willow. De toute façon, je la redis. Moi du coup, je me mets vers le rocher. C'est bon, t'es prêt, Nous? Vas-y. T'es prêt, Kylian? Vu que vous êtes que deux, on va dire que c'est un avantage pour vous en vrai. Enfin, c'est un petit système de remontée. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il est où ce petit con? Je pensais pas que t'étais. Bien sûr, je baisse les palettes en passant à côté parce que j'aime bien les palettes. Et au moins, on indique bien qui gagne mon nez. Est-ce que vous avez pris. Est-ce que Enzo t'as repris ou pas ton frisson, tiens d'ailleurs, pour savoir? Non. Je fais pas confiance, regarde sur son stream. Non, non, non. Enzo aussi pose des palettes apparemment. Regarde pas sur mon stream. Regarde pas sur mon stream. La prise, connard. On pose toutes les palettes qu'on trouve. Enzo. On peut dire ça, ouais. A tous les coups, il s'est mis derrière un mur entre les deux joueurs pour pouvoir nous frapper dès qu'on passe à côté de lui. Franchement, il y a moins. What? Pourquoi mon arme, gros, elle est quand on a cure-dent, bordel? Non, 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 non. Et merde. Ok, donc t'es un gros Enzo, tu l'as trouvé, c'est ça? Ah, mais vas-y, il m'a trouvé. C'est moi qui ai fait de la merde. Abraham, viens là que je te hook. Et tout du coup? C'est à voir. Il est tout, je suis devant un crochet moi depuis tout à l'heure. Ah, voilà, il est là. Bon, bah voilà. C'est réglé au moins le problème. Rapide, bon, bah Enzo, vas-y, viens le décrocher. Attends, Enzo, avant de me décrocher, attends, un petit truc, attends. Ok, vas-y, c'est bon, décroche-moi. Je voulais faire un test, je voulais voir si je pouvais passer. Bah, toi, cache-toi, Kylian, pendant ce temps, tu vois. Mais bouge, ta mère! Mais tu me bloques! Pourquoi tu me regardes? Bah, j'ai le droit, connard! Je peux bouger! Permets d'ouvrir ton coffre plus vite, mec, t'en plains pas! Merci! Avoue que t'as tenté d'utiliser la. Ok, j'enverrai un signal pour dès que ça commence, Kenzo. Ok. Attends. Non, dès qu'il tombe, c'est parti. Ah, pas chacun dans son côté. Mais bon, ils sont sous les deux vers la même direction. Lui est parti à l'étage, moi je pars en dessous. Bizarrement, les mecs ils vont directement me chercher au seul bâtiment de la map. Bizarrement, en même temps, je vous vois depuis tout à l'heure. Non, bah, il est en vrai, je suis pas dedans. Je vous ai vu y aller, mais vous étiez trop loin. Alors, c'est pas des techniques, non, pas du tout. Salut. Salut. Je sais que tu me regardes, Kylian. Ah, c'est toi ça? Ah, mais t'as pris frisson, Enzo? Non. Oui, il a pris frisson. Vas-y, il l'a pris, fais voir sur le stream. Quand tu sais qu'il te regarde? Bah, frisson, il l'a pris, je l'ai dit. Non. Non. Si, il l'a pris, fais voir sur son stream. Fais stream hack. Mais enculé, tu prends. Mais attends, c'est toi aussi, limite, c'était presque du stream hack. Ça va, frisson, c'est ça rien. Ça va, je peux juste pas du tout. Non, le problème, c'est que moi j'ai pas pris frisson en fait. Donc, du coup, voilà, j'ai pu la fanny là. Non, mais en vrai, mec, avec frisson, c'est aussi dur à trouver un grip. Je sais s'il peut être. S'il peut me faire peur, c'est qu'il me regarde. On va prendre la fanny et on verra pour les deux dernières paires qu'on rajoutera. Et moi, j'en rajoute une difficulté pour les survivants. À chaque fois qu'ils passent à côté d'une palette, ils doivent passer par-dessus la palette. On pourra refaire ce petit truc, mais on sera sûrement plus organisé pour ça. Parce que là, on va se remonter ce cache-cache de merde là. Limite, je suis sûr que en vrai, vous pourriez tellement me niquer si vous vous mettez dans un casier, parce que dans le casier, en fait, je peux pas vous voir avec avec ma compétition. Ouais, je pense. What? Mais putain, mais mon. Pourquoi c'est un cure-dent, mon arme? Enzo, je vais te monter ma portée. Hein. Et là, tu me la montes pas. Ça, c'est ma portée max.
Mais mec, mais tu fais un dash, t'es sérieux? Ta portale est incroyable. Ah mais attends, je suis en train de bugger. Allô? Allô? Mais mec, mais je vais normal. Mais mec, je fais un dash quand tu... En fait, Enzo, il s'y attend parce que j'arrive des fois. Wesh, mais Enzo, comment tu fais pour le trouver? Wesh, tu triches! Parce qu'en fait, comme moi, je tente de lui foncer dessus parce que sinon, je suis niqué. Ok, bah, j'avance au ralenti, viens, t'es bas? Quoi? J'avance au ralenti. Mon cher, depuis tout à l'heure. Salut. Allez, là-bas. What? Je comprends même pas. Non, sinon, je suis plus. Attends, on va faire un truc plus simple. Ah, ok. Je vais faire un truc plus simple, mais vas-y, bute-moi direct. Voilà. Oh, le backflip. En fait, je voulais juste dans le casier qui était là-bas pour que tu me récupères un strength, mais voilà. Nya, tu ne mourras pas. Nya, nya, voilà, Enzo, t'as oublié. Vas-y, bloque-le, voilà. Enzo, je te jure, c'était trop tentant de faire ça. Dégage, tiens, maintenant. Ouais, vas-y, je vais y aller. Bon, Enzo. Allez, Enzo, tu viens me décrocher tranquillement, gentiment. Enzo, en tant que bon pote. Il va mourir, hein. Il va mourir là. Mais mec, il. Bon, allez, Enzo. Il a du temps. On gagnerait du temps si je. Enzo, je te jure, on gagnerait du temps si jamais je, si jamais je te faisais. Mais parle toi déjà. Ouais, vas-y. Au revoir, bande de connards. Je fais exprès de rater ma dernière QTO, j'en ai plus rien à foutre. Bah, t'as marre? Mec, Baroud là, on dirait on est en train de le faire mes bras croisés, mec. Les gars, je jure, de mon point de vue, c'est magnifique. Mais la traverse au corps là, c'est un peu bizarre. Aïe. En fait, de mon point de vue, vous avez littéralement fusionné. Hein. Moi, du coup, je vous vois au travers du mur, donc ça fait plus bizarre, mais. Mais quoi, mec? Dragon Ball, t'as jamais vu? Dragon Ballu. Dragon Ballu. On a l'air d'une bande de cons. Hein. Ah, t'es nul. Oh. Ah, t'es nul. Oh. What? Ah, ta gueule. Oh. Attends, mais je peux fusionner. Non, trop bien. Bah, Dragon Ballu. Hein. Et on peut y aller, les Ok. Dragon Ballu. Mais en vrai, ça c'est aussi faisable avec Ghostface. Mais le problème, c'est que le truc est pas illimité, je crois, ton invisibilité, non? En fait, de Québec, Ghostface, c'est quoi? C'est que lui, en fait, si nous on le voit, bah du coup, si c'est nous qui le regardons, bah on gagne. Et si lui qui nous regarde, bah il gagne. Enfin, lui peut se faire respecter. Brahim, ton. Voilà, ton invisibilité, elle dure jusqu'à combien de temps? Est-ce que c'est. Elle se retire que quand on. te regarde? Chut. J'étais trop concentré à te poser une question, on va dire que ça compte pas. Mais mec, le mec se déplace en mode belle couille. Il s'est déplacé comme s'il était au marché. Comment tu vas le trouver depuis tout à l'heure? Tu m'as pas vu. C'est parce qu'il se déplace comme une bille. Le mec il se déplace comme ça, je l'aime pas. Tu me payes, mec. Brahim, regarde par la fenêtre sur ta gauche. Brahim, regarde par la fenêtre sur ta gauche. Par la fenêtre? Bon, bah du coup, le suicide. Ah oui, c'est vrai. Avec la petite musique de clown, c'est limite super là. Tu viens? Non mais, connard! Tu peux répéter ça? Du con! Il casse les couilles! Je vais le niquer lui. Je te demande où je suis, hein! Pourquoi? Petit Anis, je suis pas dans le casier de droite! Rien à foutre, je te crois pas! Ça, j'ai bien fait! Mais Nita. Oh, j'en étais sûr que t'étais là. Et là, est-ce que j'ai voulu faire ou pas? Alors, en fait, il voulait faire la blague, genre, ah, je suis pas dans le casier de droite et tu ouvres celui de gauche et moi, du coup, je sors celui de droite et je fais ah, j'ai gagné. Mais j'ai gagné. J'ai gagné. On va chercher la trappe à deux. Il va te porter sur ses épaules. Derrière toi. À la recherche de la trappe avec qui gagne. Derrière toi, c'est ouvert derrière toi. Tu prends du niveau plus. À ta gauche. Attends, à ta gauche. Putain, je l'ai entendu de loin. Je suis petit papillon. Après, il a jamais dit que tu l'aurais la trappe par contre. Hey. Il va te renculer. Allez, libère-moi là, putain. Allô, la porte. Oh. Vas-y, bagarre, il y en a eu trois devant là. Là où je regarde. What? Par là. What? T'es où? Mais j'ai une clé. T'es derrière, FDG. J'ai une clé. Ah bon? Attends, what? C'est de la merde! C'est de la merde! Attends, reviens, retente.
Ça marche vraiment pas. Chez. Merci Willow, ça fait plaisir. Merci Willow, ça fait plaisir. Soigne-toi avant pour voir. Quoi, tu penses que c'est le soin? Bah non, ouais, non, c'est pas logique. Mais peut-être que. Parce qu'en fait, comme c'est peut-être la même touche pour rentrer et pour se soigner, c'était ça. Vas-y, attends, je vais voir. Mais du coup, il va dire que si t'as cette paire, enfin cette paire quoi, bah du coup tu peux pas faire le truc, du coup tu peux pas t'enfuir en fait, avec la clé. Ce serait légèrement dérangeant, ouais. De... On va voir, ça se trouve c'est pas du tout ça. Hein. Peut-être que le jeu il considère plus important le fait de soigner plutôt que de gagner la game instantanément parce que t'es un gros connard. Ah non, c'est de la merde, vas-y, va. Enfin, va à la porte. Allez, cours plus vite, enculé là. Allez, cours. Plus vite, ma pute. Ma petite sarnope. Du coup, je disais cours. What? Allez, on ouvre. Gagné, adieu. Attends, c'est pas ça la musique. Pourquoi tu donnes des ordres, Kylian? Ah, Willow. Ouais, je vais en mieux parce qu'en fait, j'ai pas fini de manger. Putain, j'en étais sûr, je voulais utiliser le dada. Allez, let's get to the crochet. Non, on déconne. Attends. Est-ce que Enzo court assez vite, les gars? Faisons un test. Est-ce que Enzo court assez vite? Allez, cours, ma couille. Dead Arb, tout ça, mon pote. Dead Arb, vas-y. J'aurais pas le temps. Dead Arb. Oh, c'est serré. Oh, oui. Oh là là. Et là, c'est l'entité, elle te tue quand même. Et tu sais, elle a toute fin, elle me tue en mode de... En fait, il y a un tout petit délai au dernier moment. Ça, t'as eu... t'as joué, ouais. C'était marrant. En vrai, je serais allé un tout petit peu plus loin, t'étais mort. Hein. C'est pas faux. Bon alors, du coup maintenant que Willow n'est pas de retour. Oui, exactement, oui. Maintenant qu'il n'est pas de retour. Oui, Willow. Bon, en vrai, ça va, c'est plutôt... Moi, j'aime bien ce petit jeu, c'est marrant. Alors, je joue Ghostface, du coup. Ouais, vas-y, parce qu'en fait, du coup, Ghostface... Ton truc il se retire que quand quelqu'un te regarde ou alors c'est... Quand il me regarde un peu trop longtemps et ça me dérange aussi. Ah, allô. Mais ça se retire sur le temps ou pas si personne te regarde? Je suis là. Salut. Enzo. Quoi? Ton truc il se retire quand même avec le temps ou pas si personne te regarde? Si personne me regarde, il reste à l'infini. Hein. Non, il reste à l'infini. D'accord. Donc en fait on peut le faire aussi, Ghostface. Bah ouais. Bah vas-y, on va se cacher cette fois-ci. Après, Ghostface, pour rendre plus, du coup, il est plus discret, mais il a pas la capacité de voir au travers des murs. Exactement. C'est ça le problème. Du coup, on prend frisson, du coup, aussi, maintenant. Bah là, non, on prend pas frisson, du coup. Parce que là, Enzo, il est déjà suffisamment désavantagé, si on sait quand est-ce qu'il nous regarde. Vous voulez pas faire quelques games survivants, d'abord? Alors, il est un peu 38, donc pas le temps. Est-ce que les gars, vous voulez que je fasse un petit live où je joue tueur juste après, tiens. Pire, je crois que Willow, il voulait que je fasse le farceur. De toute façon, je te regarde même. D'accord. Enzo, tu vois le cœur sur la main. Est-ce qu'on verra, les gars, si Draken, il revient ce soir? Vas-y. S'il revient, on va lui parler, tiens. Mais il va que nous insulter en vrai. Non, mais essayer de parler, il va que nous répondre en insultant. Enfin, on va plus encaisser ce qu'il va nous dire. Oui, bon, après, on connaît pas, donc. Bah, les steaks, tu vois, de son commentaire, mais bref. Balek, franchement. Ah, mais ça s'est remis en aléatoire. Je crois que ça s'est remis en aléatoire. Bah, par contre, je prends celle-là. Mais qu'est-ce qui est con? Ouais, vas-y. Là, je te laisse la choupe la map. T'as mis laquelle pour savoir quand même? J'ai envie de savoir. L'école primaire de Midwich. Oh. La map de Silent Hill, hein. Ceux qui n'ont pas compris. Ouais, la map de Silent Hill. En gros, Willow, faut que prendre la perque prophylaxie pour soigner, c'est tout. Ok. Mais je sais pas où aller. Bah. Quelle page? C'est la avant-avant-dernière, je crois, non? Moi je prends juste 3 perks en plus, mais c'est pas des perks qui vont m'aider en fait, c'est juste des perks pour ouvrir un coffre et pour tester en gros un combo. En gros, il y en a un qui m'augmente ma chance d'avoir un coffre, il y en a un qui permet de voir les coffres au travers, et il y en a un qui permet d'ouvrir rapidement les coffres. Donc c'est juste pour le test, c'est tout.
compris, c'est bon, hein, ta gueule, quoi. D'accord, moi je t'inquiète pas. Brahim! Brahim! Mais attends! Oh, le pouvoir de la clé, ça a pas marché pour moi. Normal, pour côté de merde. Kylian, comment t'as fermé la trappe devant toi? Ah, c'est pour ça que t'avais dit chier? Et non, il avait bien pris l'empreinte de la seuille de Bigot. Moi, j'ai pris l'inseuil de truc là, de comme Kylian. Qui avait pris tout à l'heure. Prenez-le, prendre l'inseuil de Bigot. On perd la Kylian et Willow, quoi. Je pêchais le pétrifié. Non, faut prendre l'inseuil de truc. Comme bah, ça, j'ai jamais où ils sont les trucs. Mais l'inseuil de Vigo, en gros, c'est un jaune et c'est le deuxième jaune en fait. Dans les offrandes. Ok, c'est bon. Kylian, t'es là? Non. Ok, d'accord. D'accord. Je pense que Kylian il attend pour que tu mettes prêt en fait. Oui, mais en fait, j'aimerais bien qu'il mette l'inseuil de Vigo en fait. Mais je pense qu'il a mis. Bizarrement, c'est Brian qu'on attend pour à chaque fois. Mais je pense qu'il a mis. Parce que Kylian, d'ailleurs, il avait aussi le truc pour le tueur, donc je pense qu'il a mis pareil pour son survivant. S'il voilà. A pas mis, il perd un truc, voilà, c'est ce que je veux dire. Mais dis-moi. S'il a pas mis, tu mets un crochet, voilà. Ok, ok. Ah, pas de gâteau, mais à Enzo, mais ça va. Je vais parler à Enzo du truc, et toi, tu me dis ok, Enzo, il a même pas réagi. Ouais, j'ai entendu ce que tu dis. Mauvaise personne, l'impression. On va voir s'il a mis. Ah, mais il a mis. C'est bon ou deux trucs, c'est pas activé? Non, il y en a qu'un seul. Je suis en train de se jeter avec un. Il y a que le mien qui s'est activé, on est d'accord. De quoi? Voilà, tu vois, il était même pas là, mais du coup, il a même pas pu le mettre. Oui, il a rien mis. Ah, merde, j'ai pas mis d'offrande. C'est pas grave. Kenzo, je te souhaite de bien te faire trouver, espèce de seul enculé. D'accord, donc ça c'était gratuit. Enzo, tu me diras ce que t'as fait d'être le chercheur cherché. Tu veux rien comprendre. Connard. Ah oui, donc là, Enzo, même règle. Si jamais t'arrives à nous mettre un coup en scred, c'est. T'es bien quoi. Ouais. Bah en fait ce que je vais faire c'est que je vais vous stalk et je vais. Si j'arrive à vous stalk à fond, bah je vous one shot. Depuis que je suis arrivé ici, c'est tout le temps une zone qui s'est enculée. Mais dis quoi? Parce que c'est des enculés. Bah toi. Tiens, attends, faut que je trouve un petit endroit pour me cacher, c'est ça? Mes amis. D'ailleurs, la règle, n'oubliez pas, dès que vous voyez une palette, de la fermer. Mais laisse pas parler, sinon je te casse ta gueule, c'est toi. Tu fermes toutes les palettes? Très bien, avec grand plaisir. En gros, les palettes, dès que t'en vois une, tu dois la renverser, si elle est rendue, tu dois partir dessus. Et aussi, la règle du Pikmin, elle s'applique, c'est-à-dire si t'as un Pikmin, on t'accroche direct. Eh ouais, enculé. C'est bon, Enzo, on peut venir te chercher? Ouais, pourquoi? J'arrive, mon salopio. What you gonna do when I'm coming for you? What you gonna, ta gueule? Un peu flippant quand même comme ambiance. T'as remarqué toi aussi? Oui, tout à fait. Putain, mais les mecs ils font des bruits de fils de pute. Enzo, t'es où? Où t'as oublié de fermer la palette? Je t'ai vu. Et non, on parle du Pikmin derrière moi, j'ai pas tenté le buter du coup. Merde. Pourquoi moi? Parce que mon couteau a brillé. Ah, on va trouver. Pardon, c'était juste gratuit ça.
Et maintenant, on a le droit de le prendre, de le mettre sur le crochet, le Pikmin, parce que voilà quoi. Oui, t'as été cause tricherie de Pikmin. Donc je vais t'accrocher mais, de même. Tu sais qu'au début, je sais pas où t'étais caché, mais à un moment, genre. T'as dit quoi avec Ian? Au début, tu sais, je suis sorti de ma salle de classe. Et ouais. En baladant, j'entends le bruit que je suis en train de te voir, tu vois. Ouais. Oui, non, mais je sais. Oui, non, mais je sais. Parce qu'en fait, je te regardais en fait. Ian, t'es encore dans les toilettes, on est d'accord? Ouais, je suis en train de me huiler là. Voilà, je reste dans les chiottes et puis je. Ok, bah, je vais mettre toi dans les toilettes du coup. Tu vas avec nous, Willow, du coup? Dans les toilettes, dans les bons vieux 3-9 là. Willow, par contre, si tu suis un mec. T'as pas de marché, tu sens glissant là? Viens, bloque-le. Je veux sortir! What you gonna do? I'm coming for you! Non, c'est nous qui sommes coming for you. Bad boy. Pardon. Bad gods. I'm coming for you! Mais on peut dire, bon bah du coup, des merdes de coquilles, Yann. Vous êtes capable de faire moi. Ah oui, je sais qui on est au moins. On est le gang de Radley. On va te marrer la gueule. Donne-nous le sol glissant en dessous de toi. Attends, oui, ton sol glissant en dessous de toi. Oui, genre, dégagez pour le. Oui, je me reste pour qui ou pas. Donne-nous le sol glissant en dessous de toi et on dégage. Je veux sortir. Non, mais là. Bon, les gars, sérieusement quoi. Vous savez, je vais aller me chercher en fait. Je sais pas si vous étiez au courant. On doit bientôt arrêter là. Attends, ton sol glissant. Non, mais par contre, Willow, sérieusement là. Merci, s'il te plaît. Merci. Attends, puisqu'on sait avoir des corbeaux. Dégage. Tu sais qu'à cause de vous, j'ai un corbeau du coup. J'ai bah non, bah du coup, il marre de toi avec ton corbeau. Mais ton corbeau, c'est toi le problème, là. C'est gratuit. Et du coup, après, Kylian, je vais faire un live. Ouais, je vais en faire un, ouais. Ce serait pas. Attends, je crois que Réseau, il est fourbe. Les gars, venez me chercher, là, bordel. Bah, c'est ce que je fais, en fait. Attends. T'inquiète, on est là pour te chercher, t'inquiète. On te cherche, Attends, vrai, ici il y a moyen en vrai. Non, il y a quoi une palette par ici, wesh? Je sais pas, frère. What you gonna do when you come for you? Non mais c'était pas la map que j'ai fait tout à l'heure, soit. Si, c'est là où t'étais en tueur. Quand t'avais le trappeur, là. Les gars, vous êtes un peu flippants, en fait. Vous êtes en partie dans les toilettes. Non, parce que c'est flippant, parce que j'ai pris espion de l'ombre, tu vois. Donc dès qu'il y a un corbeau qui pète, ça me fait un peu flipper. En fait, il y a un mec dans le coin. Il y en a un peu, les gars. Est-ce qu'il y a des corbeaux ou pas à l'intérieur de l'école? Parce que si on n'a pas, je sais où il est, hein. Dans l'école, il y en a. Ouais, de tous ici. Dans l'école, il y en a. Il y en a dans l'école. Ok. Il y en a partout, mec. D'accord. Oui, il y a des corbeaux dans l'école, oui, c'est un peu chelou, mais c'est. Oui, bah écoute, normalement, t'as vu la gueule de l'école aussi. L'école, elle est décédée. C'est pas le plus gros problème de l'école, alors on va pas se mentir. Donc le fait qu'il y a carrément des barbelés et des caches partout, c'est un peu plus flippant, quoi. Surtout le plus flippant, je crois, c'est qu'en fait, il y a des crochets dans l'école. Des crochets pour installer des corps. Au centre de l'école, gros. C'est quoi ces putains de chaînes qui sont accrochées au ciel? Non, deux, tu ne t'as toujours pas vu depuis le début? Y'a un putain de cerf. Que depuis le début que je suis caché, deux personnes sont passées à côté de moi. Ah, bonjour. What's your gonna do? Vas-y, continue. Quelqu'un a trouvé ou pas encore une deux? Ouais, moi. Non, je crois que personne ne m'a trouvé. Oh, totem. Allez, fais-le comme ça, moi tu perdras du temps. Oui. Wesh. Il y a un bug ici. C'est quoi que je le vois pas? Je me demande si c'est un. Donc, tu balades, anyone qui balade. Putain, mais je me fais peur avec mes propres fils. Les fils possibles. C'est quoi ces bruits? Oui, vas-y. Non, mais.
Il y a quelqu'un qui me suit là tout à l'heure. Sinon les gars, vous pouvez ou bien. Il y a Brian qui me tue dans toutes les pièces à chaque fois que je le croise. C'est quoi ça? Ah putain, je suis con. Vas-y, tu fais ma gueule. Avant. Pourquoi il y a des chaînes attachées aux chaînes? Oh, il y a la trappe. Ah non, c'est pas la trappe. Il a manqué vu que la trappe elle apparaît que quand quelqu'un meurt. Je sais pas où il est. Ah, Adam Clic-Clic, toi. Fais peur, le monsieur. Adam Clic-Clic, fais peur. SOS. SOS, merde. Ma famille a besoin d'aide. SOS streaming. SOS fantôme. SOS fantôme, il est où, Ghostface? En tout cas, je peux dire un seul truc, vous êtes tous passés au moins devant moi au moins une fois. Sérieux? Ouais. Une onde, deuxième indice, c'est mité ou pas? Bah moi vu que je traîne beaucoup dans le milieu, je pense que tout le monde pense qu'il est là. Hein. Merde, putain, mais à chaque fois en fait je vais me mettre tapoter sur RB. À la limite je peux dire aussi que Kylian est passé deux fois devant moi. Ah donc il est dans le centre, c'est obligé. Depuis tout à l'heure je cherche parce que je me suis dit qu'avec... On l'a vrai, tu sais que c'est un V1 qui ça n'était rien de dire est-ce que c'est ou est-ce que c'est pas, tu vois. C'est, vrai. Oh, c'est qui le mec qui arrête pas de faire du bruit? C'est moi, parce que j'arrête pas de passer à droite à gauche dans les palettes. Et c'est comme ça parce qu'il y avait une règle de base qui était de passer dans les palettes. Justement, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure, c'est que je passe dans toutes les palettes. Je crois en fait j'ai la meilleure cachette du jeu en fait. Je l'ai trouvé, il est là en fait en réalité, qui regarde, il est juste là. Non. Mais je crois que ouais, je crois que j'ai la meilleure cachette du jeu en fait. Oh attends. Ah non, oh putain, j'en ai trouvé une par contre, mon gars, elle pourrait être tellement bien. Mec, j'en ai une, elle est incroyable. Mec, elle est incroyable. Et après, j'irai pourquoi elle est incroyable. Moi, je sais que j'en ai une qui est incroyable aussi. Par contre, mec, t'es pas cité où là, what the fuck. Mais vous me cherchez ou vous faites des attractions en fait? Genre, j'aime bien taper dans les casiers en fait. Je vois ça. Sinon les gars, vous me trouvez ou... Attends, gros, tu bouges ou tu restes immobile, Enzo, toi? Non, là, moi je reste immobile, moi. Ok. Il compte avoir un indice. Milieu. Attends, j'ai une idée. Ouais, c'est sûr. T'as dit quoi? C'est sûr. Milieu. Il a dit milieu. Ouais, c'est sûr. Mais avant, en fait, j'ai demandé un autre indice, c'était genre étage rez-de-chaussée. En vrai, au début, tu dis genre le nombre de fois où tu nous avais passé, et deuxième fois, tu dis rez-de-chaussée. Ah, bah là, je peux dire que Kylian est passé deux fois devant moi, Brahim est passé deux fois devant moi, ou il est passé une fois devant moi. Voilà. D'accord, si on te trouve, tu ne mets pas de coup de couteau. Vote nickel. Non, je suis sûr de savoir où est-ce qu'il est. J'en ai marre, t'es où? Attends, donc il était vraiment là? Mais tu sais, attends, par contre, je vais dire un truc incroyable. Kylian, il est arrivé comme ça. J'étais juste là. Il est passé, il est reparti derrière. Mais du coup, j'ai gagné, Et du coup, j'ai cru d'accrocher, c'est lui-là, mais c'est le dernier à t'avoir trouvé. Je sais qu'il s'est dit, gros, je suis niqué au moins trois fois. Mais mec, je t'avais. Mec, t'étais passé devant moi, ça m'a tué de rire, gros. Tu veux la vérité, Enzo? Je savais que t'étais dans une fougère. Tu vois, si t'as vu, à un moment, j'étais en train de chercher toutes les fougères et trucs comme ça. Ouais. En fait, pour moi, en fait, on passait pas au travers du tueur. C'est un peu cool de passer au travers du tueur, quand même. Mec, c'était incroyable. Pendant quelques minutes, quoi. C'était incroyable quand Kylian était passé devant moi, mec. Mais moi, il me semblait pas avoir eu de collision avec toi quand je suis venu. Pour moi, tu m'es rentré dedans, en fait. Ah mais en fait je te passe au travers. Je pense que t'es passé au travers de moi. Reste là, c'est bon, reste dans ce coin là, c'est bon. Là. Alors par contre, les palettes, je vous baisse. Ah les gars, je crois que tu vas sur une de nos palettes. Mais en fait, c'était moi qui suis resté au centre le plus longtemps, ça m'énerve. Ouais. Bon, Enzo se cachera pas au dessus. Ah mais partez pas les gars, attendez que Enzo il se cache. Je suis même pas recaché là. Rapide. En plus on l'a suivi en plus. Ah vous l'avez suivi, moi je l'ai suivi, vraiment pique-mine. Les gars, on lui encule les tympans. Je te baisse. Y'a une porte là, y'a une porte! Tu vois, en plus, ça te demande à décaler ce monde, on pouvait y aller. Ok, parfait. Quoi?
Bah oui, t'avais 15 secondes. Le temps qu'on se soigne et le temps que du coup après on est entre nous et trucs comme ça, tu vois. Ouais, si tu le dis. Ouais. Moi j'ai peur, j'ai cru que je t'avais direct trouvé. Ouais, je suis caché les personnes. C'était caché. Oh, j'ai vu aller dehors. Ouais, grave. Quand tu réponds comme ça, bah, c'est dehors, que, tu me dis si tu l'as trouvé. Soit t'as tort. Bah, au pire, oui, non, cherche dehors et tu le dis si tu l'as trouvé. Allez-vous, rendez-vous. Putain, c'était où déjà? Je pense qu'il est parti dans cette cachette là, mais j'arrive pas à retrouver. En fait, si je retire le mode furtif, je sais pas si ça. Enfin, c'est le mode saut, je sais pas si ça met quand même le champ terrain en fait. Bah, en fait, à partir du moment où t'as plus ton mode furtif, ouais, tu as le rayon de terrain pour les gens. Vous allez bien, le. Casse-toi. T'es trouvé là, d'accord? Oui, mais casse-toi, dégage. Dégage! Les autres ils m'ont pas encore trouvé, dégage! Allo? Ouais? Putain! Je pense savoir où est-ce qu'il est. Non? Ouais, il faut que je retrouve. Est-ce que tu vois mon champ terreur quand je suis comme ça là? Ah, ça c'est un corbeau, ça. Tu le vois ou pas? Je te regarde pas, hein, t'en fais pas. Tu le vois mon chant terreur ou pas? Tu vois mon chant terreur ou pas? J'entends pas ton chant de terreur, non, c'est bon. Mais du coup, on est d'accord, relax, c'est moi qui ai gagné cette manche, hein, là, en disant, ouais. On est d'accord? Ouais, t'as gagné. Ok. Ouais, t'as gagné. Je pense savoir où il est. Je vais à l'autre bout de la Wenzo. Ah, il a gagné, c'est juste qu'il a gagné. Je vais le mettre dans un casier. Là, faut aussi qu'on le trouve. Oui, j'ai 17 manches, Après, on s'en fout que t'es gagné ou pas la manche, vu que tu es exclu, c'est de plus. C'est juste que là, tu veux juste te faire approcher. Mais en vrai, le plus, en fait, il n'y a pas de gagnant, en fait. Il y a juste un perdant, c'est tout. Pas de points. Les gagnants, c'est à la fin, en fait. Donc, même si tu as tout trouvé en deuxième et tout comme ça à la fin, ça va te trouver tout à l'heure en premier à la fin. Voilà. Oui, mais j'ai. Vu que je me fais pas accrocher, j'ai quand même gagné la manche à mes yeux. Bah, moi, je vais t'accrocher même quand tu l'auras pas trouvé, voilà. Ah, tu m'auras pas trouvé, voilà. T'es content? Tu m'auras pas trouvé, voilà. T'es content? Parce que, vous savez quoi? Je vais voir Brahim passer, je vais aller le regarder. Donc, Kylian m'a trouvé. Je vais streamhack Brahim. Ah, voilà, bah, Brahim il est là, je vais streamhack. Le streamhack? Bah, je vais streamhack Brahim. Voilà, comme ça, moi je dis à Enzo où est-ce qu'il est, il va niquer. Oui, vraiment, on respecte les règles, on passe sur toutes les palettes du monde. Au moins, grâce à une de mes compétences, je sais où vous rez-de-chaussée. Moi? Non. Est-ce que tu as déjà vu passer une fois Willow et moi? Je crois qu'à un moment, j'ai vu passer Willow. Que j'ai entendu, mais bon. Je confirme? Je confirme si Enzo a vu passer quelqu'un. C'était Willow, non? Je crois que c'était Willow. C'était Willow, il y avait Brahim aussi qui était passé. Mais tu l'avais pas vu. Rappelez-vous d'un truc que j'ai dit dans le laboratoire. Bah, Brahim et Willow, une fois, voilà. Et rappelez-vous d'un truc que j'ai dit dans le laboratoire. Ah, j'ai trouvé Ghostface. Ah non, mince, c'est Kylian, ça. Ah, j'ai trouvé Ghostface. avec ton visage tout blanc, mec. Rappelez-vous de ce que j'ai dit dans le laboratoire. Non, t'inquiète, je les aime bien, j'aime bien, quoi. Vous savez ce que j'ai dit dans le laboratoire? Il s'est explosé en plus, ce connard de jeune. Ah, je crois que vous vous rappelez pas. Il faut casser les couilles, ça. Non, je vais vous rappeler de ce que j'ai dit dans le laboratoire. Un jour, je finirai un générateur. Félicitations. Ah, c'est l'heure de la mort de Willow. Ta gueule, Lola Gobri, t'as pas les cours. Et bah, vous savez quoi, ici, vous savez maintenant. Alors, si t'as une sonnerie comme ça dans ton lycée, mec, je pense que tu vas bientôt mourir, ça veut dire. C'est vraiment, mec. Tu. T'es dans une putain d'église, hein, ton lycée. Hein. Grave. Alors, Enzo ? Oui. Bah, c'est une église, mais par contre, regarde au centre l'église quand même.
Bon, Brahim, c'est quoi ta question, Brahim? C'est un cercle pyramide, c'est bon? C'est quoi ta question, Brahim? Ma question, c'était l'externe. Ah, d'accord. Ah, bah alors, on vient pas me chercher? Bah non, mais ma mère va venir te chercher, pourquoi il viendrait te chercher? Bon, bah du coup, je vais pisser, Willow, t'as tout ton temps. Non, c'est con, c'est bon. Ah, tu l'avais bloqué, c'est ça? J'ai en fait, il s'était coincé dans un endroit. Bon, du coup, là, regarde, il était pas. J'avais pas vu l'autre côté. Où sont les autres générateurs? Bah oui, de toute façon il va perdre. Hein. Ce Brahim va venir pas me trouver. En hauteur ou en ou rez-de-chaussée ou étage? Rez-de-chaussée. Je cherche en hauteur comme un connard depuis tout à l'heure. Ton père ou ta mère? Ta mère. J'en ai pas. Ah bon? Ah bon? Et les deux là quoi? Oh, vas-y, je vais aller chercher Willow là, il casse les couilles, Brahim. Attends, j'ai envie de dire un truc, Kylian, va là-bas, là. Ah bon, Kylian est revenu vers toi? Genre, va... Attends. Non, regarde, va là. Kylian est revenu vers toi? Voilà, va là. Voilà. J'ai envie de voir un truc. Ah oui, ça compte comme un... D'accord. Ok, mais c'est stylé, en vrai. C'est énervant, j'arrive pas à trouver, c'est chiant, là. Bah en vrai sa cachette, si tu fouilles bien une certaine pièce, tu le trouves facile hein. Ouais. Kylian est juste tombé sur la bonne pièce, il a cherché et il m'a trouvé direct. Une pièce mec, quand tu sais qu'il y a 90 000 pièces dans un collège frère. Ouais mais, bah Enzo on leur dit ou pas sur quel étage t'es ou pas? Je l'ai déjà dit, j'ai dit que j'étais rez-de-chaussée. Ah ok, j'avais pas entendu. Là je peux dire qu'en tout cas Brahim je crois qu'il est loin de moi et Willow aussi d'ailleurs. Je crois que je fais le tour. Ah, y'a Brahim qui est juste là. Kylian, cherche Willow et détruis ses gènes. Je me suis dit, il l'a vu au moment. Non, non, t'es Willow qui peut défoncer. Mais t'inquiète, c'est juste pour mettre un coup. Bon, Willow, il est en train de faire un gène, c'est ça? Je vais le défoncer. Bah, t'en as dit. Regarde le nombre de gènes restants et au lieu de lui dire qu'il est pas en train de faire un gène. Alors. Il est où l'escalier? Pas comme toi Willow, mais je pense qu'il a les dents contre toi là. Là faut que j'arrive à trouver l'escalier. C'est pas le moment de faire ça. Ça va être facile de le trouver. Bah juste à fouiller tous les gènes. Et puis tu seras dans un des gènes. Il est bien on continue le travail de Willow quoi. Quand tu fais de ma gueule ou quoi? Quoi? Derrière toi? Quoi? Moi? D'ailleurs, je fais une bonne idée de dire à Enzo que t'es derrière lui. Ma gueule ou quoi? En plus, tu m'as regardé. Je te raconte, t'es même pas derrière moi, toi. Je vais où d'habitude? Par un gène? Non, d'habitude. Un casier, putain. Un casier? T'es même pas dans les casiers? Mais en plus, t'es un gros bois, espèce de con. Ah, mais il est là, Willow. T'as Willow, ça fait deux fois que je t'accroche ou pas? Attends. Lâche-le, Enzo, j'arrive, attends. Mais non, c'est vraiment qu'elle a vu une personne aussi débile de la vie. J'ai pas pris le truc de la vie. Quoi? Avant de le mémorer, attends-moi. Mais j'ai pas pris Memento Mori, j'ai pris la lingette là. Oui, j'ai dit lingette, qu'est-ce qu'il y a maintenant? C'est chiant ça, Ghostface. Arrête de me m'écarrer là. Il voudrait bien de continuer, mais regarde, je sais pas si tu peux voir, mais. Mais ta mère en fait. Mais il t'a rien de bon, toi. Il est mort lui, de toute façon. Normalement, c'est censé le tuer normalement. Désolé Willow. Pourquoi la moi, de toute façon. J'avoue, là j'ai mérité. Oh, pardon, attends. Ici. Voilà. Une compétition entre le plus fort à tous les jeux vidéo et le plus con des deux. Le plus con, je dirais... Attends. Ah oh bah Enzo. Tu m'as pas vu, qui est. Non, je suis caché. Non, je... Attends. Ah, trouvé. C'est moi, je l'ai trouvé. Ha ha ha!
Comment est-ce que tu te vois, toi, là-bas? Va te cacher. Qui, moi? Pendant ce temps, je vais faire des trucs à Kiel pendant ce temps. Un peu bizarre quand je dis ça, sachant que je suis une mafieuse, c'est pas grave. Il faut vous mettre dans l'autre sens. Vous n'avez rien entendu, d'accord? Rem, tu es dans le coin et Kylian, tu... 3, 2, 1... Voilà, c'est bon, on peut y aller. Quoi? Allez, Ken, on peut y aller, allez, go. Kylian, go, on peut y aller, je t'ai dit. Kylian? Il a bugué, je crois. Il est mort, je crois. Oh, bah, s'il a bugué, je suis déclaré vainqueur, du coup. Brahim, sur les fesses. Brahim, il va te buter là. Pourquoi Désolé, c'était trop tentant. Vas-y, soigne-le, on recommence vu qu'il y a une TFK. Bien sûr, moi j'étais resté avec lui, de toute façon, t'aurais pu continuer à y aller à te cacher en fait. Je sais, mais je voulais te regarder et tuer en fait. Voilà. C'est pour le plaisir perso. Je retire le Pikmin, mec. La stratégie perdante. Mais j'aime quand tu fais ça, Kian, tu sais. C'est bon, je suis gâché. D'ailleurs, Kian, pourquoi ta main droite elle est toute bleue? Je me transforme en Storm, ça pose un problème. T'as pas frappé un petit peu trop des murs là? Ouais, c'est bon, on peut y aller, Kian, si on veut. Ça marche, vas-y, bah je te laisse aller par là. Attends, y'a quoi ici? C'est quoi ça? En mode pique-mine, pardon. C'est une lampe. Un lampadare. Dere. Il est 23h06. 9. T'as fini de faire tes bruits là? J'avoue. Désolé. Ouais, t'as fini de faire tes bruits là? Ouais, mec, on m'a dit de renverser toutes les palettes que je voyais. Oh, attends, y'a pas un truc là? Le trouver, c'est ça? Oh, de bite de... Putain, les gars, j'ai failli me faire voler, quoi. Hein. J'ai failli me faire voler mon Enzo. Hein. Mais comment t'as fait pour aller aussi vite ici? Ici, là? Tu parles de qui, ou dis-moi, là? Le mec est parti de l'autre côté et il l'a trouvé alors que... En fait, à la base, je voulais aller voir, justement, la hauteur, s'ils étaient pas remis au milieu, tu vois. Tu vois, parce qu'il y avait un trou. Je me souvenais qu'il y en avait un en hauteur. Vas-y, fils de pute, tu veux me sauver? Ouais, pardon. En fait, je voulais me mettre, tu vois, au trou. Et après, j'ai vu les casiers, je me suis rappelé qu'il y avait un petit poste où tu pouvais te cacher. Du coup, je voulais sortir rapidement. Et il était dedans. Mais tu sais que Kylian, je savais très bien qu'elle allait dedans. C'est pour ça que j'ai demandé comment tu fais pour être aussi rapide, fils de pute. Bah en fait, bah justement, moi j'ai juste foncé vers la diagonale parce que je voulais voir depuis la hauteur s'il était au centre. Je suis caché. Bah justement, moi aussi, mais le truc c'est que du coup j'ai foncé, t'as foncé de l'autre côté, t'as réussi à aller plus vite que moi. Peut-être que moi j'avais un escalier plus proche, franchement je sais pas. T'es un tricheur, c'est pour ça. Bah caché. Oui bah c'est logique, d'accord, N2, c'est un tricheur, c'est normal. Ah oui, non mais ça... Je baise. Et c'est par miracle quand même. Non, c'est bon. Non, mais t'es sérieux là? Non, mais. Alors, toi, juste pour le truc, c'est tentant. Non, mais c'était juste trop tentant. Le mec s'est mis à 2 cm de là où il était avant, quoi. Ouais. Tu l'avais vu ou pas? Par contre, du coup, le premier, c'est qui m'a vu en premier? Bah, moi, j'ai eu les points comme quoi je t'ai trouvé, donc je sais pas. Enfin, comme quoi je t'ai regardé. Et toi là? Bah, j'ai pas eu les points parce qu'il t'a regardé plus longtemps que moi. Donc c'est qui a perdu là encore. Bah ouais, j'en sais rien, comment ça marche, est-ce que c'est genre plus longtemps ou comment ça se passe? Ou je suis rentré en premier dans la pièce normalement. Bah moi je l'ai regardé direct et je l'ai eu les trucs du coup donc je sais pas. Moi je crois que c'est qui il m'a regardé en premier quand même. Moi je l'ai vu directement. Pour moi il s'était retourné et Brahim pas encore retourné en fait. Donc tu te rappelles qu'on peut changer les caméras mais sur la... Après c'est pas grave, de toute façon au pire on s'en balèque un petit peu. Casse-toi toi. Salut. Accepte ta mort. C'est quoi? Brahim est sur le point de mourir, moi je pars 10 secondes après lui. Oh bon bah un petit peu les couilles, tu sais pourquoi? Pourquoi? Donc je vais me débattre. J'ai body block Brahim. Oh,
Je vais me cacher. Je vais me cacher. Ça m'énerve quand même. Deux fois où j'ai failli trouver N2 et deux fois où c'est quelqu'un qui le trouve juste avant moi, mais de une seconde, quoi. Totalement, t'as vraiment pas de bol. Ouais, en plus, ouais, quand il était derrière les casiers, ouais, non, mais moi j'ai compris, hein. Non, mais j'ai compris dans les jeux vidéo, je suis tout le temps me faire enculer en fait, t'inquiète pas. Je suis caché. Dans les jeux vidéo, hein. Je suis caché. Mais on est même pas soigné, donc on s'en bat un petit peu les couilles. T'es caché. T'es caché ou pas. Mon fou, ça commencera une fois que je me serai soigné, Kian. Mon fou, un petit peu là. Je sais, je sais. Ouais, tu peux bouger les fouillers, on t'en montre. Allez. Oh, bougez, cache-toi. C'est moi qui me freine tout seul, connard. Ok. Voilà, merci. Bah, du coup, à partir du moment où Brahim est soigné, je lance un décompte de 10 secondes pour moi. Je vais pas me mettre là. Je lance un décompte de 10 secondes et voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bah. I'm coming for you, Makoya. Attends. Ouais, non, ok, c'est ici, pas remis. J'ai eu ah, il était encore au même endroit. Oh là, Enzo. Quoi, mais... Non, mais t'as vraiment recherché encore au même endroit, mais c'est incroyable. C'est pas moi, c'est Kylian qui va rechercher. Franchement, ça m'étonne. Moi, c'est juste que je fais pas attention, je vais toujours tout droit, et après, je me rappelle que c'était cet endroit-là, je suis en mode, ah oui, merde. Après, je me taille, c'est tout. Ah, mais t'es pas toi dans les casiers, Enzo? Non. Ah, prouvé. Non, je rigole. Ah, prouvé. Ce bluff. Ce bluff. Il avait dit quoi, il avait dit quoi. Ouais, c'est vrai que c'est sûr, j'ai eu un coup de pression pendant 2 secondes. Je me suis dit quoi, il était avec moi il y a 2 secondes. Je l'ai vraiment loupé de peu. Oui. Enfin, au moins, t'as ressenti ce que j'ai ressenti deux fois. Je comprends. Oh, attends, ouais, en vrai, y'a peut-être moyen par ici. Non, non, y'a pas moyen. Mais je peux passer par là, mais. Attends, je me dis un truc. Est-ce qu'avec certains tueurs, je pourrais pas passer? Ouais, je suis même que ça soit bien. Pas passer, ouais, je suis bien. Oui, je suis en train de regarder la map en fait. Ça va? Ouais, y'a des cadavres empilés. Ah, ouais, ok, d'accord, c'est comme ça le jeu. Non, rien qu'au rire, je sais déjà qu'elle l'a trouvé, bien joué. Non, il m'a même pas trouvé, gros. Non, pourquoi il a rigolé? Parce qu'il a fait une bêtise en vrai. Écoute, au cul. Ah, trouvé. Il a pas trouvé? Ah non, c'était un corbeau, ah, mec, putain, que sa mère. Donc là, c'est quoi les corbeaux? Il a pas trop du cul, les corbeaux. Ah non, il est vraiment. Et non, je l'ai vraiment trouvé en fait. Trop tard. Bon, bah, au revoir, jeune âme. Enfin, jeune fille, pardon. Ta mère? J'essaye, Brahim, j'essaye rien que pour toi! Alors, ok, bon, toi... j'ai une lampe torche, vous allez rien. Alors toi. What? Allez, chier, nique ta mère. Putain, mais ça me casse les couilles. Franchement, pourquoi on a eu l'idée à un jeu aussi merdique? Bah, Kian, putain, il a trouvé à chaque fois qu'il est. À chaque fois le tueur de bon, après, mec, je suis désolé, il a eu la plus grosse humiliation au tout début où il est passé dans moi, il m'a même pas vu. À chaque fois, il a eu la plus grosse humiliation au tout début. Il est passé dans moi, il m'a même pas vu. Mais en fait, comme il a dit à Kian, en fait, t'as beau être premier au début autant que tu veux, à la fin, tu peux te faire enculer. Voilà la preuve. Les deux premiers, c'est moi qui les ai trouvés en premier. Et bah, du coup, les deux derniers, c'est Kian qui les a trouvés. Pas comme vous. Et je dois un peu arrêter quoi. Normalement une seconde avant moi, donc du coup il me fait enculer sur ça. Bon bah chers amis, je vais lancer mon stream. Ceux qui veulent me rejoindre, c'est très bien. Pour vous casser. Mais du coup, pas du tout. D'accord, c'était mérité. Je peux. Du coup le live est terminé les gars, la revue aussi, j'espère que vous avez passé un bon moment. Donc abonnez-vous, likez la vidéo, partagez, commentez, clochez, follow la chaîne Twitch, abonnez-vous à la chaîne YouTube, tout ça. Dites au revoir. J'étais Skian. Ok, et Willow et vous, au revoir. Ok, portez-vous bien, okay. Je vous dis, game over.